écouter Radio Rec. www.radio-rec.org. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Salut à tous, c'est Sportix, l'émission des sportifs. Il est 15h06, on commence pour 2h non-stop de sport avec tout le débriefing du week-end. Et mon invité du jour, c'est Elton. Salut Elton. Salut tout le monde. Tu m'emmerdes avec ta question. Voilà, notre petit rituel habituel. On va commencer tout de suite avec le sommaire du jour, Elton, si tu veux bien. Avec le football, l'Espagne qui entre dans la légende. Un, dos, stress, voilà, c'était facile, hein. Le bilan de l'Euro derrière, on va donner notre équipe type, voilà, on va parler aussi de la finale longuement. La question, aujourd'hui Noël Le Graët avait une conférence de presse, qui pour sauver les Bleus, on n'a pas encore la réponse, mais on commence à avoir des noms qui ressortent. Deschamps, bah, on parlera de lui juste avant, Deschamps n'est plus l'homme de la situation avec l'OM, il est pressenti pour l'équipe de France, on va en parler longuement. On passera au tennis et Wimbledon avec en ce moment les deux Français qui jouent. Ça se passe plutôt bien, les deux ont perdu le premier set, Gasquet lui menait 2-7-1, et Tsonga lui mène dans le troisième, il y a un set partout. On passera ensuite au vélo avec retour sur le début de ce tour, la troisième étape aujourd'hui, qui s'annonce mouvementé. Exactement, chercher le mot, avec des petits cols. Dans des conditions qui seront, on annonce de l'appui à Boulogne-sur-Mer pour le final. Pour changer. Ouais, pour le final. Donc on aura des petits cols sur la fin, attention aux punchers, Boissonnaguen et Gilbert peut-être. On va en reparler au cours de cette émission. Et on finira avec l'athlétisme, avec Bolt foudroyé des sélections jamaïcaines, les battus sur 100 mètres, battus sur 200 mètres par la pépite montante Blake. On reviendra un peu sur ces... Enfin, la pépite montante, il est déjà champion du monde. Oui, non mais c'était la dernière. Ouais, il est déjà champion du monde. Ne commence pas à me contredire. Hein. Donc on va revenir un peu sur ces deux courses et on va se projeter vers les Jeux avec ces résultats. Et on parlera des Bleus. On va faire le tour des Bleus après ces championnats d'Europe qui ont vu certains confirmés. Et d'autres, pas décevoir mais un peu absents. Voilà, on va faire une revue d'effectifs. On va commencer tout de suite avec la dernière page de football sûrement cette année pour nous. Et c'est la dernière page de l'Euro surtout, avec cette chanson toujours aussi bien. On va entraînante, voilà. Merci Elton, tu me sauves un peu aujourd'hui. Et donc, avec la victoire finale de l'Espagne face aux Italiens, un match sur le score, pas de... comment dire, C'est une correction. Voilà, merci. Correction. Merci. Après, le 4-0 était-il mérité? Ça, c'est autre chose, mais on va revenir plus en détail sur les différents moments de ce match. Donc, tu veux qu'on parle directement du match ou tu veux parler de la performance de l'Espagne ou, C'est un tout, l'Espagne, et on peut parler du match aussi. Donc, Match, on va revenir très vite dessus. 4-0. Silva à la 14e, Jordi Alba à la 41e. Hop, attention le son. Voilà. Fernando Torres à la 84e et Juan Mata à la 90e, il me semble. Ouais, 88. Voilà, donc les Italiens, à noter que les Italiens se sont retrouvés à 10. À la 60e, à l'heure de jeu, oui, avec Mota qui s'est fait. Qu'est-ce qu'il s'est fait, on ne sait pas encore. Problème musculaire, la cuisse. Musculaire. Donc il est out 6 à 8 semaines, je crois, j'ai vu ça. Et donc Prandelli avait fait ses 3 changements, et bon, quand c'est ça, c'est pas au rugby, on n'a pas le droit au changement sur blessure, donc ça termine à 10. Et puis voilà, après, quand il reste 5 minutes à jouer, les autres déroulent, et ça fait 2 buts dans la misette. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le match? On avait vu une très bonne première mi-temps. Ouais.
dans l'analyse du match, t'as l'Espagne qui avait très bien joué. Je pense que par rapport à cette finale, je pense que sur les autres matchs, ils étaient en mode gestion. C'est plus facile à dire. Je sais pas si ouais, parce que t'as failli passer à la trappe face au Portugal quand même. Oui, mais je pense que je veux bien te rejoindre sur le match contre la France, oui. Ça, avant le match contre l'Italie, justement, je me demandais si les Espagnols avaient la force de passer la surmultiplier pardon, contre les Italiens, parce que je me disais ils lâcheraient les chevaux à partir des quarts, des demi-finales. Or, ils l'ont jamais fait. Contre la France, c'est surtout la France qui a été trop timide face aux Espagnols, donc on pouvait pas vraiment juger. Contre l'Espagne, le Portugal a été valeureuse. Et donc, on savait pas si l'Espagne pouvait passer ce cap, de passer à surmultiplier. Et force est de constater qu'elle a réussi avec brio. En témoigne le score. Oui. Mais l'Italie qui est passée un peu à côté de son match, hein, quand même. C'est la première période, c'était très rare. Ouais, mais... Il y a une domination italienne, enfin très peu en termes de possession de balle. Ouais, la possession, après, t'en fais ce que tu veux. Oui, non, mais voilà, on sait que l'Espagne. On sait que l'Espagne, en termes de possession, c'est souvent des. Sur la moyenne de l'Euro, ils sont à 63, non, c'est ça? Ouais, quelque part dans ces eaux-là. Et à la mi-temps, il y a 51-49 pour les Italiens. Ça montre quand même, c'était assez équilibré en termes de possession. Après, sur le jeu, il y a une équipe qui était beaucoup plus réaliste que l'autre. Ah, mais j'ai l'impression que les Espagnols, ils ont joué à leur main. Quand ils ont mené 1-0, les Italiens, d'accord, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas mis la défense en déroute. C'est des frappes de... Des frappes éloignées. La frappe de Balotelli qui est passée au-dessus. Ensuite, on a... c'est Montolivo, je crois. Non, Marquisio qui fait une frappe aussi où Casillas se détend, la repousse. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Voilà. Et... Il y a Cassano aussi qui fait une frappe qui met sur les fesses l'arrière droit sur Arbeloa. Il met sur les fesses Arbeloa et derrière Piqué entre les jambes derrière Casillas qui est planqué. Donc ouais, c'est vrai que Casillas a eu surtout le travail de loin, quoi. C'était pas des frappes à bout portant, contrairement aux Espagnols qui sont un peu régalés. Et on avait l'impression qu'ils géraient le scénario tant fort, tant faible, ils maîtrisaient absolument. Et là où l'Espagne a bien joué, c'est que le match contre l'Allemagne, enfin l'Italie contre l'Allemagne, les Italiens d'entrée de jeu ont mis un pressing énorme sur les Allemands. Et ça leur a permis de vite ouvrir le score avec Balotelli. Et là, c'est plutôt le contraire, c'est les Espagnols tout de suite qui sont montrés les patrons dès le coup d'envoi, qui ont imposé directement leur marque. Ah, mais c'est la marque de fabrique d'Espagne, on va pas découvrir ça. Les Espagnols ont forcé les Italiens à jouer à un niveau qui est très élevé. Parce que les Italiens, faut dire, ils ont fini épuisés. Ouais. Mais cramoisi complet. Mais à la fin aussi, c'était à 10, donc c'est encore plus. Mais bien avant. Cassano. Il a fait un non-match. Ouais, mais Cassano, il faut pas rêver. Le gars, il a quand même repris il y a un mois. Ah, bah oui, c'est déjà très fort ce qu'il a fait. Il a fait un très bon euro. Non, mais c'est exceptionnel, mais il faut le dire, c'est exceptionnel ce que Cassano a fait. Il y a un mois, il reprenait la compétition. Et là, il enchaîne 6 matchs à haute intensité à l'Euro. Mm. Et après, t'as prendre Delhi, il a pris un risque. Parce qu'on savait très bien que Cassano, il pourrait pas tenir plus de 60 minutes. Il n'avait pas tenu plus de 40 minutes. Mais il est sorti à la mi-temps. Hein. Ouais, parce qu'il pouvait, il pouvait plus rien faire. Puis, il n'y arrivait pas, de toute façon. Ouais. Enfin, il n'était pas en réussite. Et Chiellini, moi j'avais des doutes avant l'Allemagne et ça s'est confirmé. Ça s'est très bien passé. Non, mais face à l'Allemagne, ça s'est très bien passé. C'est une blessure musculaire et la blessure musculaire, elle peut réapparaître au bout d'un ou deux matchs. Enfin, j'ai pas eu. Je sais que le soir après le match, Pandelier a dit que c'était un étirement. Après, j'ai pas eu des nouvelles. Donc je sais pas ce qu'il a exactement. Ah, mais moi j'étais sceptique, mais je disais ça allait tenir grand max un match. Balzarati a fait un bon match derrière. Ouais, il a fait un bon match. Mais la connerie, c'était peut-être de mettre Abate, non? T'aurais dû mettre Balzarati et Chiellini d'entrée. Ouais, après, c'est toujours plus facile. Après, tu peux toujours critiquer après. Si Abate fait match de sa vie, on peut rien dire. Ah, mais faut se rendre compte, l'Italie fait pas un mauvais match. Mais ils prennent une raclée. Faut voir le message qu'envoie l'Espagne à la concurrence. C'est terrible, et les Italiens, 9 fois sur 10 contre un autre adversaire, ils sont pas loin du trophée. Ouais. Mais là, l'Espagne leur en fout 4. C'est vraiment... c'est incroyable. Ouais, et après,
Moi, je m'arrêterai au 2-0, même si sur, au final, il y a 4-0. Mais c'est. Voilà, enfin, je leur dis, ils étaient à 10, les mecs étaient cramés, comme tu l'as dit. Les mecs ont déroulé, enfin, l'Espagne en confiance pendant qu'une équipe est en train de. Bah, les mecs étaient déjà dans leur tête, match, c'était déjà perdu. C'était plié, grosso modo, avant. Quand dans la tête, t'as une équipe qui est pratiquement sûre de gagner, t'as une équipe qui est sûre de perdre, bah, ça fait une différence. Et les mecs, ça lâche mentalement. Ouais. Ça s'est vu sur le dernier but, hein. Les mecs sont seuls. Torres et Mata. Ouais, bah, oui, ah, bah, ça pour le dernier but, parce que t'as. Sur la passe décisive de Busquets, t'as quand même de Torres, t'as quand même Busquets qui fait une passe depuis le milieu de terrain. Ouais. Je veux bien que la passe elle soit magnifique, mais là. Résultat qui vient de tomber, Gasquet out. Ah ouais ? Ouais, 6-2 dans le quatrième. Ah bah voilà. Ça allait vite, hein. Ouais, bah c'est exceptionnel. Petite surprise aujourd'hui déjà. Voilà, et dire que c'était celui qui faisait la plus grosse impression. Ah bah ouais. Maintenant, Atsonga qui mène 4-3 dans le troisième de Géré. Et Gasquet qui confirme une stat accablante. Ouais. 8% de victoire en huitième de finale. Il passe jamais les huitièmes. Hein. Il en a perdu 14. Ah ouais, bah, il est passé combien de fois qu'une fois, non ? C'est quand il a un an et demi à Wimbledon, non ? Ça doit être pas loin. Ouais, bah ouais. C'est hallucinant. Surtout qu'il avait un boulevard devant lui. Ouais. Décevant encore une fois. On en reviendra après. Hein. Donc oui, sur la finale, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? À la finale, t'as ce qui fait la différence, t'as le facteur Xavi. Xavi d'un côté qui a fait un énorme match, et Pirlo qui s'est un peu enterré. Bah, hein. Il a complètement été annulé par le milieu de terrain espagnol. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de défendre le peu qu'on peut défendre de Prandelli sur ce match. Quand il fait rentrer Mota, c'est surtout pour, je pense, il sent Montolivo qui est offensif, qui est le 10 de l'équipe, pour mettre Mota pour... Je pense mettre plus de physique et stopper le milieu de terrain espagnol. Oui, voilà. Mais moi, on en parlait pendant le match. Moi, j'étais quand même étonné du choix de Prandelli de mettre Mota. Je me disais, et s'il arrive quelque chose ? Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais t'es en finale, tu prends des risques. Voilà, j'avais été sévère, mais quand tu reprends le match dans le contexte, tu dis, mais voilà où on en est. Qu'est-ce qu'on doit faire face à l'Espagne ? On est obligé de oser face à l'Espagne. T'es obligé de trouver à chaque fois une solution pour contrecarrer plan d'Espagne. Parce que les Espagnols ont un tel éventail de choix. Parce qu'il n'y a qu'à voir. T'as Llorente, il a même pas fait une minute. Mata n'a fait que 3 minutes. Ils ont un tel éventail que tu dois chercher et tout. Et t'as la part d'aléatoire qui augmente contre ou avec toi. Mais ah, là, c'était contre parce que Prandelli s'est trompé. Parce qu'il est obligé de tenter. Il doit trouver une solution pour contrecarrer. Surtout en finale, si t'es c'est le dernier match, t'as plus rien à perdre. Tu perds 2-0, de toute façon, t'en prends 6, c'est la même chose. Mais voilà, on en revient à ce qu'on dit. Que ça soit l'Espagne ou à un degré moindre ou plus, c'est selon les goûts avec le Barça, t'es obligé de oser des trucs. À chaque fois, faut oser. Et malheureusement, parfois, ça marche pas dans ton sens. Ah ouais. La preuve sur ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le match ? Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Hein. L'Espagne a été au-dessus, clairement. Les Italiens se sont loupés, clairement. Enfin, le milieu de terrain italien s'est fait laminer. Ah, Marquisieux, j'ai pas vu. Hein. On l'a pas vu du match. Marquisieux, j'ai pas vu. On l'a pas vu du match. Mais après, moi, j'aimerais revenir sur... Moi, l'équipe d'Italie, avant l'Euro, je me disais, trouvez-moi un Vidal italien, et vous avez... De Rossi. Mais De Rossi, je sais pas, parce que De Rossi, à la Roma, il joue dans la position de Pirlo. Et je sais pas, toute proportion gardée, ça me rappelle Gerard Lampard. Mais je dis toute proportion gardée parce qu'ils arrivent quand même en finale avec les deux. Oui, c'est ce que les deux ont réussi à se trouver à jouer ensemble. Je me dis parce qu'en Italie, on appelle le joueur comme Pirlo, Regista. Et De Rossi joue en position de Regista. Là, en Italie, il joue en position d'interna, celui qui devait couvrir le Regista. Et je me dis, dans cette position d'axel décalé, il n'exprime pas pleinement son potentiel. Il a quand même fait un gros euro. Ouais, il a quand même fait un gros euro, mais après, c'est des problèmes de riches. Oui, voilà. Ouais, ouais, c'est des problèmes de riches, mais... Ouais, voilà. Et sinon, sur le match... Qu'est-ce qu'on peut dire sur le match ? Il n'y a rien à dire. Enfin... Ouais, sur le match, on a... T'as des satisfactions, t'as... Le petit Jordi Alba qui a...
qui est phénoménal. Monstrueux. Hein. C'est la révélation de l'Euro. Bah oui, la révélation qui a été monstrueuse. Il n'y a qu'à voir le deuxième but, c'est un modèle. T'as de la coordination, la course, il savait qu'il la donne au bon moment. Ni trop tard, trop tôt. Il est limite du hors-jeu, donc il a passé la passe parfaite. Hein, parce là, que c'est la passe parfaite. C'est une seconde après, le mec est hors-jeu. Non, mais c'était... Après, t'as Arbeloa qui a fait son boulot. Ouais. Qui a fait son boulot. Qui a été solide. Bousquet, contrairement à ce qu'avait dit Adrien, on se rappelle vendredi, Adrien qui avait taclé Arbeloa en disant qu'il allait se louper, ça allait être le boulet face à l'Italie. Ah, mais Arbeloa bénéficie d'une... Clairement, il est un peu en dessous de ses coéquipiers. Mais comme je disais à Adrien vendredi ici, il disait Arbeloa, c'est pas le genre de gars qui va te liquider, à savoir qu'il fera pas la grosse erreur. C'est quelqu'un qui est régulier, ouais. Et voilà, qui est quand même arrière droit au Real de Madrid. Bon, les mauvaises langues diront par défaut, mais il est quand même arrière droit. Ouais. Après, au milieu, Busquets qui a été encore monstrueux. De toute façon, le milieu espagnol. Ouais. Hein. Mais c'est quand même incroyable, Busquets qui a 23 ans, qui a déjà tout gagné. c'est monstrueux, 23 ans. Il a fini le jeu. Ouais. Il est arrivé au niveau 100 et... Mais il est arrivé au bon moment, quoi. Ouais, il a mûri au bon moment. Ah, ça, oui, t'as la part de chance aussi, ouais. Mais quand t'as le talent... T'as le talent, t'es né dans le bon pays, ça, ça marche. Et Fabregas, il y a beaucoup de gens, critiquaient les Espagnols. Oui, sur le 9 ou pas le 9. Fabregas, faut le dire. C'est un des meilleurs Espagnols de l'Euro. Bah, hein. Sur cette compète, il a été bon. Et c'est buteur, pas une passeur, ouais. Mais non, mais parce que c'est pas fondamentalement une question de 9 ou de pas 9. Parce que l'Espagne, il n'y a qu'à voir, dans la surface, ils étaient souvent 3 ou 4. Et t'avais aussi le problème de Xavi. Avec un Xavi moyen, t'avais le problème de la verticalité. Ils n'avaient pas beaucoup de profondeur. Parce que t'avais Xavi qui était souvent un peu à la peine. T'avais forcément le bloc qui remontait. Puisqu'ils étaient délestés pendant un temps de la menace de Xavi. Et là, Xavi, quand il retrouve son niveau, les défenseurs reculent parce qu'ils savent que Xavi a la passe meurtrière. Et donc, qui dit recul, dit plus de profondeur pour les attaquants. Ceux qui s'est vu sur les buts. Hein. Bah ouais, ça s'est vu. Et Fabregas qui a été très, très intéressant. Ah bah, même plus que intéressant. Ouais. Bon, après, t'as la défense Piqué-Ramos. Moi, je persiste à dire que... Ça colle pas, mais mine de rien, ils finissent qu'avec un but. Qu'un but, ouais. face aux Italiens. Lors du premier match. Donc voilà. C'est la meilleure défense de tous les temps en compète de l'Euro, non? Ouais. En même temps, avec un but, oui, t'es pas loin d'être... c'est monstrueux. Ça aide, hein. C'est monstrueux. Donc voilà, l'Espagne qui gagne l'Euro, qui est sur le toit du monde plus que... Bah, plus que d'habitude, là, qui est encore plus haut que le monde. Qui a pris date pour 2014. Alors, est-ce qu'en 2014, tu auras les mêmes joueurs, les Xavi, vieux, hein. Moi, j'ai une interrogation sur Xavi. Parce que tu as Fabregas qui pousse, hein. Xavi, Fabregas, c'est à peu près le même... Xavi, il faut le dire, il joue depuis une ou deux saisons, il joue sous infiltration. Il aura 34 ans, moi, je doute qu'il continue jusqu'au Mondial 2014. Même si lui, il a démenti, a dit, oui, moi, je prends mon pied dans cette équipe. Qui prendrait pas son pied dans cette équipe? Et il est déterminé à continuer. T'auras un Xabi Alonso aussi, il a encore 33 ans. Ah, Xabi. Mais derrière, t'as un milieu de terrain solide aussi. Ouais, t'as la nouvelle vague qui pousse. Tu te dis, Javi Martinez qui fait finaliste avec l'Athletic Bilbao. Il n'a pas joué une seule fois. Si, il a joué contre l'Irlande. Ah oui. Il a joué contre l'Irlande, il a joué contre la Croatie, si je ne m'abuse. Après, t'auras. Puyol sera peut-être pas là non plus. Ah, Puyol, mais derrière, t'as jeune garde. Ouais. T'as les Thiago Alcantara, les Mounien, Azpilicueta. S'il confirme à Marseille. Ouais, s'il confirme à Marseille, donc voilà. Ouais. T'as l'équipe espoir espagnole qui est championne d'Europe en titre, qui est au JO, là, qui est les JO qui démarrent bientôt. Mm-hmm. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. Sont au vert, ouais. Et c'est les favoris plus que d'habitude pour 2014, hein, même s'ils ne sont pas encore à la Coupe du Monde, on le rappelle.
Il y a le groupe face à la France, on sait jamais. Ah oui, mais on sait jamais. Vu qu'on est chauvin, on va dire que la France va terminer première, même si ça va être très très dur. Bah ouais, il va pas falloir faire d'erreur quoi. C'est... Et donc, bah voilà, hein, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur l'Espagne. On a déjà tout dit. Hein, c'est... Bon, on a tout dit. Après, on pourrait parler des statistiques. Del Bosque qui est seul entraîneur à avoir tout gagné. Del Bosque, il va continuer ? Ah ouais, logiquement. Il a été prolongé, donc logiquement. T'as Casillas qui devient le premier international à 100 victoires. C'est, ouais. C'est monstrueux. Et depuis hier, sur le terrain maintenant, dans la section espagnole, t'as 233 titres. En cumulé ? Ouais, cumulé. Sur le 11 ou sur le 23. Donc ça fait une moyenne de 10 titres par tête. En France, on a quoi, nous ? On a Ribéry qui ouais. Benzema, Ribéry, tu les Lyonnais avec les. Non, mais il n'y a même plus beaucoup de Lyonnais qu'on dit. Ouais, si on est gentil, on a une trentaine de titres. Ouais, t'as les Lillois qui ont eu un titre. Ouais. Après la Coupe de France aussi, je sais pas si on peut la compter. Ah, coupe peut... en carton aussi, tu coupes les combats. Non, on compte les coupes en carton. Ah, bah on doit pas être si mal. Hein. Ouais, une trentaine, mais. C'est pour dire, c'est monstrueux. Ah ouais. C'est monstrueux, sans Puyol, sans Villet qui devrait revenir. Ouais, mais quand tu vois Puyol est remplacé... Ouais, Ramos qui a fait plus qu'un intérim. Moi, pour moi, je est-ce pense qu'il peut que... s'imposer en... Moi, je pense que Ramos, il faut se souvenir, il est défenseur central des formations. Mais est-ce qu'il peut s'imposer ici au Real, il a déjà joué pas mal cette saison. Au Real, l'année prochaine, c'est lui défenseur central. Ouais. Ah, tu penses pas bah, je verrais bien Mourinho lancer Varane. Non, Varane, c'est dans 2-3 saisons. Ah ouais. C'est dans 2-3 saisons, là, ça va faire. Ça va rester sur Ramos Pepe, qui a été la meilleure charnière cette saison. Ah bah oui. Donc Ramos, ça a été le Thuram espagnol, puisqu'il a été décalé à droite. Il a été décalé à droite, ouais, il est retourné dans l'axe. Et là, on voit... Il est champion du monde aussi. Voilà, et il est monstrueux. C'est, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur central au monde. Ça, il n'y a pas de doute. Oui, faudra faire une liste. Enfin, ouais, mais faut dire, parce qu'il a tenu la baraque, hein, parce que Piqué, il n'a pas été rassurant. Encore Piqué, il a fait un tacle encore limite. Ouais, sur Cassano, voilà. Heureusement que t'es en finale. Enfin, le mec, je vois pas l'arbitre sortir le rouge. Non, parce que c'est une finale, enfin... Il est limite. Hein. Ouais, et Piqué qui a pas été serein. Ah, voilà. Et t'as Ramos qui a largement. Ouais. Ramos a quand même mis le pied hein, aussi. Oui, mais après, on parle de quoi ? On parle de défenseurs centraux. Oui, hein. Non, mais oui. On parle de défenseurs centraux. Est-ce que tu penses pas que Prandelli s'est loupé en jouant en 4-4-2 et non en 3-5-2 ? Parce que c'était interrogation avant le match. Parce que le 3-5-2 avait tenu face aux Espagnols. Ouais, mais après faut voir le contexte, pardon. Ils étaient obligés parce que t'avais des absents côté italien. Bah, t'avais juste fait redescendre de Rossi, quoi. Ouais, tu fais redescendre. Là, il suffit de... Là, t'étais au complet. Enfin, t'avais pas de blessé. Tu mettais Maggio derrière et... Ouais, mais Maggio, il avait pas été super... Oui, il avait pas été énorme. Aussi, il avait pas été énorme. Ouais, mais après, Prandelli, il a joué souvent en qualif avec le 4-4-2. Après, Prandelli, il le dit, il va pas se renier sous prétexte que c'est l'Espagne ou l'Allemagne. Il a toujours dit ça. Mmh. Oh, oui. Ouais, il allait pas se renier. Donc, ouais, il a été fidèle à sa philosophie. Il a perdu, oui, voilà, ça arrive. Ah bah oui, ça arrive, oui. Il en gagnera d'autres en des matchs. Bah, si on n'a plus rien à dire, on va passer sur le bilan de l'Euro. Faut rendre aussi hommage à l'équipe d'Italie, parce que faut voir d'où elle vient. Ah bah, pour ceux qui sont pas au courant, Prandelli a pris l'équipe d'Italie en même temps que Blanc a pris les Bleus. Hein. Oui, après, oui, c'est un point de comparaison sans l'être, parce que je pense qu'il y a des top classes en Italie, ce que la France n'a pas encore. Avant l'Euro, on voyait plus la France aller loin que l'Italie. Ah bon ? Ah bon? Bah, l'Italie était touchée par les affaires encore de oh, c'est vrai. De Paris, pardon. Elle venait de prendre 3-0 face à la Russie. Oui, c'est vrai. L'Italie, Prandelli avait dit qu'il n'était même pas encore sûr de jouer l'Euro. Il était prêt à retirer la sélection, même si bon. Ouais, c'était juste pour. Je sais pas, enlever de la pression. Enfin, c'était un coup de bluff plus qu'autre chose, je pense. Ouais, mais moi, c'est ce que je te disais. Moi, je fais. Si t'as l'ossature de la Juve. Tu peux aller loin.
Parce que dans l'Euro, c'est une compète où tout est rapproché, tu joues tous les 4 jours. Et la notion de bloc équipe, où il faut avoir une ossature, elle n'est jamais plus vraie que lors de l'Euro. Mmh. Parce que les échéances sont très très courtes. Et l'Italie en a bénéficié de la même façon que l'Espagne en a bénéficié, de la même façon que l'Allemagne en a bénéficié. Donc il n'y a pas de secret. Donc moi, je me disais attention à l'Italie. Et puis l'Italie, à part 2010, il se loupe très très rarement. Ah bah 2008, c'est quart face à l'Espagne. 2008, au tir au but. Ouais. T'as 2004 où il se loupe. 2004, c'est avec le groupe le 2-2. Ouais. Là. Ouais, il se loupe. Ouais. Voilà, c'est pas aussi fréquent. L'affaire Biscotto. Ouais, il se loupe. Ouais, donc l'Italie qui sera à l'Italie. L'Italie, la question c'est de savoir s'ils garderont cette ossature aussi. Oui, il faut. Buffon a dit qu'il, normalement, il continue jusqu'à. Enfin, c'est ce que les gens disaient, il va continuer jusqu'à la Coupe du Monde. Il aura 36 ans. Bon, c'est un gardien, donc ça gêne peut-être pas. Gardien, regarde Simon, il a joué jusqu'à 39 ans. Ou comme ça. T'as même Van der Sar qui a joué jusqu'à. Après, t'as un Pirlo qui va avoir 35 ans. Ouais, 35 ans. Donc, ouais, c'est. Mais à côté de ça, t'avais aussi des absents. T'as Giuseppe Rossi qui a manqué. Devant, ouais, qui va faire du bien, je pense. Ouais, Giuseppe Rossi, t'as Cassano, il aura une vraie préparation. Cassano, il n'y est pas encore. Il a 30 ans, Cassano. Hein. Ouais, 30 ans, mais on peut compter sur lui. Balotelli qui peut prendre du galon. Cora Muri, je pense, dans la tête. Hein. Un petit peu, j'espère. Il peut prendre du galon. Sans compter que t'as des jeunes qui arrivent. T'as le jeune Verratti. Bah t'as Giovinco, hein. Ouais, t'as Giovinco qui prendra du poids. Verratti, le joueur de Pescara qui est très suivi par le PSG. Ouais. T'as Giaccarini aussi qui a joué un tout petit peu, mais oui, qui a joué même pas un match, je crois. Voilà, t'as Giaccarini qui a 27 ans. Ouais. Après, t'as Insigne, le joueur de Pescara qui est très jeune aussi. Donc t'as une nouvelle garde qui arrive. Ouais. Et en plus, t'as un projet de jeu. T'as un projet de jeu qui est très très fort. Ça va changer de l'ancien jeu italien. Ouais, sans compter que Prandelli l'avait dit, 2012, c'était un laboratoire en vue de 2014. Bah, comme les Bleus au départ. Hein. C'était Camp Blanc après la tête. Oui, 2012, c'est vrai, c'était l'apéro en gros de 2014. Ouais, et donc tu te dis, ce laboratoire, ils sont quand même en finale. Ouais. Donc on peut dire l'Italie, ça peut être l'équipe à la mode en 2014, celle qui peut animer la Coupe du Monde. Ce qui est bien l'Italie, c'est que je sais pas dans quel groupe ils sont pour les qualifs. Faudrait regarder, je vais regarder ça. Mais l'Italie est capable de se faire peur sur les groupes de qualifs, comme à chaque fois. Hein. Ouais, mais c'est avec Prandelli, ils ont fait le meilleur parcours en qualif. Je vais regarder de l'histoire de l'Italie en qualif. Ils ont fait le meilleur parcours. Donc c'est. Ça a relativisé. Ouais. Alors, je vais chercher ça. Alors, l'Italie, Danemark. Ça va être chaud quand même. Hein. Ah, ça va être chaud. Parce que Danemark, République tchèque. Hein. Il y a trois équipes de l'Euro déjà. T'as bon derrière, t'as Bulgarie. Il joue quand le Danemark? T'as les dates? J'ai. Alors, commence avec la Bulgarie. Oui, ouais, Danemark, ils ont le temps. C'est, ils font d'abord Bulgarie, Malte. Arménie, le temps, là, ils ont normalement donc, c'est 9 voilà, points. Hein. Parce que dans la pure tradition italienne, ils sont un peu des leftards. Mmh, c'est, ouais. C'est les qualifs qui commencent très tôt, c'est pas bon pour eux. Parce qu'ils sont toujours à court de forme. Puisque le championnat reprenant plus tard, ils sont toujours à court de forme. Donc le fait que Danemark et République tchèque, ça soit dans des échéances plus tard. Surtout que le premier match, c'est Danemark et République tchèque. Hein. Bah voilà. T'en as déjà un qui aura peut-être fait une demi-croix. Et puis on parle de quoi? L'Italie est favorite. Hein, ah bah oui, clairement. Est favorite. Clairement, ça, on est tous d'accord. Et donc, le bilan de l'Euro. Ah oui, Tsonga qui vient de remporter 3ème set. Ah. 6-4. Enfin, une bonne nouvelle côté français tennisman. Qui va sûrement rencontrer, je pense, Coach Schreiber, non? Ouais, certainement. Qui menait un 7-0 contre Baker et qui était au tie-break. Qui a gagné le tie-break. Et ouais, qui a breaké dans le 3ème. Ouais, qui a breaké. Et Del Potro aussi, qui est en train de se faire sortir par Ferrer, hein. Ah, Ferrer, on va en parler, ouais. Ferrer, on va en parler un petit peu, pas chez Nice parce qu'il est surprenant. Et le bilan de l'Euro alors, est-ce que c'était un bon Euro? Bon Euro, oui, bien sûr, t'as. On a eu 75 buts, il me semble. Ouais, grosso modo. T'as eu 2-0-0.
Et encore, il y en a un qui est fabuleux. Oh, ouais, voilà. On a eu les deux extrêmes en fait. Les 0-0, t'en as un qui était fabuleux et l'autre un peu chiant. Quoi. C'est Espagne-Portugal. Heureusement qu'il y a du suspense avec les pénalties. Ouais, c'était plus dur à suivre. Et globalement, cet Euro, ça a été positif puisque t'as eu un jeu porté vers l'attaque. T'as eu la belle promotion faite au-delà de l'Espagne par l'Italie. Toutes les équipes, le dernier carré, c'était que des équipes qui attaquaient. Hein. Ouais, après, Portugal, c'est vraiment 2 degrés moindre. Hein, oui. Donc, t'as des équipes qui ont fait le pari du jeu. Après aussi, il faut remettre les choses dans le contexte. Parce que là, plus les années passent, plus t'as des problèmes en défense. En défense, on a du mal à retrouver le socle défensif qui faisait succès des grandes équipes les années auparavant. Ouais, là, tu retrouves avec l'Espagne. Hein. Bah non, parce que... Bah, tu prends un but. L'Espagne, t'avais des interrogations avant. Ouais. L'Italie, t'avais des interrogations. Bah, l'Italie, t'avais des interrogations parce que t'as eu l'affaire des... Non, mais t'avais des interrogations par rapport à la défense centrale. De toute façon, avant l'Euro, par rapport à chaque poste. Hein. Ouais. Donc, oui. L'Allemagne, t'avais des interrogations. Bah un peu moins, mais même si l'Allemagne, on sait que la défense, c'est jamais le point fort. Quand ils prennent 5-3 contre la Suisse, t'as des interrogations. Et le Portugal, encore plus. Hein, parce ouais, que Portugal, t'avais des interrogations. On avait dit que c'était une catastrophe, la défense centrale avant l'Euro, et finalement, ça a tenu. La France, t'avais des interrogations. Oh, mais on les a toujours. Ouais, mais... on les a toujours, les interrogations. Non, donc, c'est pour dire que, globalement, sur ces années, t'as les défenses qui tendent à s'affaiblir au profit des attaques qui sont meilleures. Ce qui n'était pas le cas les années d'avant, puisque tu avais vraiment des socles défensifs fortes par rapport aux attaquants qui étaient plus muets. Ouais. Après, tu as eu des satisfactions. Il y a eu du suspense aussi. Hein. Ouais, tu as eu. Parce que le groupe A, on le rappelle, que ça s'est joué sur la dernière journée et tout le monde pouvait encore passer dans les derniers instants. Groupe B, tu avais moins de suspense quand même. Bah ça s'est vite calmé quoi quand le Portugal quand Cristiano il met but du 2-1 mais l'Allemagne s'est fait peur un peu le groupe 3 t'as le suspense au groupe 3 t'as eu du suspense dans tous les groupes tu l'as dit avec la Croatie qui a accroché jusqu'au bout qui prend un but à la 90e et la France qui a failli sortir avec mais mine de rien c'est groupe D où il y a eu moins de suspense. Moi j'aurais mis le groupe 4 enfin le groupe D moi. Non moi c'est groupe B hein, où t'as eu plus de suspense parce que mine de rien quand les Pays-Bas ils marquent tu te dis, ils sont capables d'en mettre un deuxième. Mais c'est... Ah, tu parles du groupe avec le plus de suspense là ouais. Non, moi je mets le groupe C, moi. Ah oui, le. Parce que l'Espagne, Casillas, il sauve la baraque. Ah hein. Oui, c'est vrai. C'est quand même, tu vois que l'Espagne, on l'a pas vu, mais c'est quand même la chance du champion. Hein. C'est comme Montpellier, on parle de Montpellier qui a eu beaucoup de chance cette saison sur certains matchs. Là, face à la Croatie, Casillas, il te sauve la baraque 2-3 fois. Tu mets un but à la 90e qui te permet de qualifier. Face au Portugal, t'as les tirs au but qui te sauve avec la transversale de Bruno Alves derrière, tu fais un poteau, toi ça rentre. Oui, après ça existe pas un grand champion qui a gagné gagné tous ses matchs tranquillement. Non, mais ça change du champion, on l'a vu à la fin quoi. Enfin, on pouvait pas le dire avant parce qu'on ne savait pas encore mais beaucoup de réussite. Parce que même l'Espagne de 2008 qui était fantastique à avoir joué. Il a fallu qu'elle aille au tir au but contre l'Italie. Donc, ça relativisait. Ouais. Sinon, sur l'Euro, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Euro en lui-même. Platini n'a pas de souci à se faire pour son total de meilleur buteur. Hein. Meilleur buteur à 3 buts et ils sont 5 ou 6. Oui, et je voudrais revenir aussi, tu parlais de suspense pendant cet Euro. Donc c'est pour ça, moi je regrette qu'en 2016, l'Euro passe à 24. En France, ouais. Ouais, ça, t'auras moins de suspense. Bah pourquoi ? Parce que ça fait la part belle aux grosses équipes qui pourront se gérer en vue des échéances. Parce que là, grand max, c'est les deux, il y a tous les deuxièmes qui passent, plus les meilleurs troisièmes. Bon, en gros, là, en 2016, t'auras pas un groupe Allemagne, Portugal, Danemark, Pays-Bas. Bah, voilà, donc pour le suspense, moi j'adore. Ça sera moins beau, ouais, c'est vrai. Ouais, ça sera beau. On tend vers la Coupe du Monde, quoi. C'est dommage. Moi, je suis partisan, d'un Euro à 16, moi. On verra, peut-être que l'Euro 24 sera une grande réussite, en plus en France. Ouais, grande réussite, moi j'ai des doutes, hein, parce que sans enfoncer nos amis irlandais, moi, franchement, le niveau, tu te dis, ils auront de grandes chances d'être là en 2016, et le niveau va s'en ressentir.
Donc tu en 2016, ça sera pire côté Irlande. Hein. T'auras plus des Robbie Keane, des Shane Given. Ouais, donc tu risques d'avoir des nations du même tonneau que l'Irlande. La Bosnie pourra enfin avoir une compète, enfin ce qui est fait dans une compète. Hein. Ah, voilà. Donc tu risques d'avoir des nations de second couteau. Qui joueront pour le pour eux, enfin qui joueront sans aucun objectif réel. Ah, voilà. Moi j'étais partisan d'un Euro à 16, mais bon. Ah, info qui vient de tomber. Blanc n'ira pas à Tottenham, c'est Villas-Boas qui vient d'être nommé. Bah ouais, c'était dans les eaux. Qui va être manager de Tottenham, l'ancien... C'était dans les tuyaux, pardon. L'ancien de Chelsea. Voilà, c'était juste l'info qui vient de sortir. Ah, mais Villas-Boas qui t'a annoncé depuis plusieurs semaines, et puis Blanc qui était pas... qui est pas le favori numéro 1 dans tous les clubs où non, il était annoncé. Non. Ça aussi, il faut mettre fin à cette rumeur. Mais moi, je suis content pour Villas-Boas. Parce qu'à Chelsea, il a pas eu le temps de. Bah, Chelsea, de je pense qu'à Chelsea, le problème, c'est qu'il s'est mis à dos les. Ouais, voilà, les il s'est mis à dos les cadres. Lampard, Drogba, ouais. Donc ça aide pas à s'intégrer. Lui aussi, il a pas eu de tact. Avec ces messieurs. Bah, il est peut-être arrivé trop avec l'étiquette du futur Mourinho, c'est peut-être ça. Il a peut-être pris un peu le melon, donc il s'est cru trop grand. Melon, je pense pas, mais je pense qu'il a voulu imposer ses idées au détriment des cadres sans les concerter. Et donc ça marche pas comme ça. Surtout à Chelsea où les cadres sont très influents. Donc pour revenir à l'Euro, oui, parce qu'on s'égare un petit peu avec l'information. Attention, il est où mon programme? Je retrouve le programme. Une équipe type de l'Euro pour toi. Je sais pas si t'as vu l'UEFA qui a sorti l'équipe. Non, c'est quoi? Alors, c'est une liste de 23. Hein. Après, j'ai une équipe de 11. Je vais te dire les 23 et je vais te dire les 11 après. Au but, tu me dis à chaque fois si ça te surprend ou pas. Hein. Après, je te la donnerai mon équipe. La tienne, ouais, d'accord. Ouais. Buffon, Casillas, Neuer. C'est pas surprenant. Défenseur, Piqué, Cuentrao, Lam, Pepe, Ramos, Alba. Ah, j'aurais mis João Pereira, moi. Ah, ouais. Et Gebrselassie, pourquoi pas. Parce que là, t'as pas derrière droit. Ah, si, t'as Philippe Lam. Ouais, Gebrselassie aussi, qui était pas mal avec la République. Ouais, avec les Tchèques, ouais. Au milieu de terrain, De Rossi, Gerrard, Xavi, Iniesta, Khedira, Busquets, Ozil, Pirlo, Alonso. Xabi Alonso. Ouais, ça tient la route. Gerrard qui fait peut-être un peu tâche, non? Non, Gerrard, le seul anglais de la liste. Ah ouais, Gerrard qui a été payé, qui était oui, pas oui. Et attaquant, Balotelli, Fabregas, Ronaldo, Ibrahimovic, Silva. Ibrahimovic. Ah bon? Et Gomez, non. Mandzukic. Gomez. Mandzukic. Ouais, ça, voilà. Ibrahimovic, hein. Il fait jamais rien qu'un match. Hein. Il a quand même mis deux buts. Ouais, il met deux buts, ouais. Donc voilà, ça c'est les 23, s'il y avait une liste à sortir pour faire une prochaine compète. Ouais, pas de français. Bizarrement. Ouais, ça montre le niveau de nos footballeurs. Et si, une petite surprise dans les défenseurs, beaucoup ont mis Glenn Johnson dans leur choix sur différents sites. Ah ouais, il était pas mal. Là, je suis sur un site, c'est Casillas. Ah oui, en défense, Hummels aussi, là, il était pas mal. Ouais, mais s'il s'est fait enrhumer par Balotelli. Ouais, et s'il se loupe pas un match, mais voilà, c'est. Avant ce match, il y a eu d'autres matchs. Donc il y a Johnson, Ramos, Pepe, Alba, Pirlo, Khedira, Xavi, devant Balotelli, Ronaldo, João Silva. Ouais. João Silva? Non. Balotelli. Non, je me suis trompé, c'est David Silva, pardon. Je suis parti trop vite, pardon. Et donc vas-y, si toi t'as une liste, tu donnes. Les buts. Casillas. Moi je mettrais Buffon, on va faire à chaque fois. Arrière droit, João Pereira. Ouais. Moi j'ai pas vraiment. Debuchy pour le côté français. Oh, il en faut bien. Je vais faire le chauvin, moi. On va dire ça. Défense centrale, Ramos Hummels. Ah, moi je mets Pepe Ramos, moi. Je suis la logique de différents sites. Défense arrière-gauche Jordi Alba. Ah oui, ça je pense que inévitablement. Milieu de terrain, si on en met 3. Milieu de terrain, je mets Pirlo, Iniesta, Khedira. Moi je mets Pirlo, Xavi, Nasri.
Ah, je rigole, Iniesta. Et devant, si on en met trois. Devant, je mets Cristiano Ronaldo, David Silva, Cesc Fabregas. Non, bah moi je vais Ronaldo, Silva, Balotelli. Moi je mets des Italiens. Donc voilà. Et en meilleur joueur, je mets. Et en sélectionneur, je mets Prandelli, meilleur joueur, Iniesta. Il a été élu. Il a été élu meilleur joueur. Ouais, j'aurais peut-être mis Pirlo, moi. Ouais. Après la finale, tu peux pas mettre Pirlo. Enfin, tu mets Iniesta. Parce que Pirlo s'est légèrement loupé sur la finale. Autre chose à dire sur l'euro, on boucle définitivement la boucle de l'euro. Globalement, oui, l'accueil, t'en penses quoi? L'accueil, J'ai été un peu déçu par les spectateurs. Moi. Ouais, les spectateurs, c'est parce qu'à part les Irlandais, les Néerlandais, la dernière fois que j'ai dit les Hollandais, on m'a repris. Donc les Néerlandais, on n'a pas eu, si les Allemands aussi un petit peu, mais sinon on n'a pas vu trop. Même les Espagnols, ils étaient 500 hier. Ah bon ? Dimanche, pardon. Ah bah voilà, ça va. 500, ouais. Il y a la crise aussi. Ouais, il y a la crise, ouais, c'est vrai. Ah, et les Français, ça peut se comprendre. J'y serais pas allé non plus. Ah bah, t'es sûr. Surtout après 2010, les gens n'ont peut-être pas forcément envie d'y aller. Et puis, t'as la destination qui est très lointaine. Voilà, si ça avait été à côté, je pense qu'il y aurait un peu plus de monde. En plus, t'avais certains stades qui donnaient pas envie, hein. Notamment en Ukraine. Ah bah t'as mieux comme ça dans l'Ukraine. À part la Donbass Arena et Stade Olympique, les deux autres, la Kharkiv et Lviv, ça donne pas envie. Ouais. Et puis voilà, c'est une des premières fois où je vois des personnes dormir pendant leur match. Ça m'a choqué quand même. Et pourtant c'est un paradoxe parce que cet euro, il y a eu du spectacle. Ouais, hein. Il y a eu des buts, du spectacle. Sur le plan offensif. Ouais. D'accord. Mais après, est-ce que c'est pas l'effet de trop de foot, le foot, hein, parce qu'on a beaucoup de matchs. Ouais, mais les gens vont pas voir tous les matchs. Non, mais à la télé et tout, forcément, fin de saison, ils sont comme les joueurs, ils sont fatigués. Ouais, mais le moustachu français, là, qui s'est endormi pendant le France-Angleterre, je suis pas sûr qu'il regarde tous les matchs. En même temps, France-Angleterre... Oui, c'est un peu fait chier. Non, c'était un peu dur. Ouais. Si t'avais, on va faire un petit... Ouais, 3 tops, 3 flops. De l'euro, ça peut être joueur, équipe, sélectionneur, enfin... En équipe. Ou joueur, si t'avais eu 3 flops. En top... Allez, on va commencer par les flops. Ouais, par les flops. Je mettrais les Pays-Bas. Oui. Les Pays-Bas qui ont été catastrophiques. Qui repartent avec 0 points. Hein. C'est la seule avec les Irlandais. Je mets la Russie aussi dans les flops. Oui. Non, en fait, je vais mettre plus de 3 flops, moi, parce que dans les nations, il y a aussi les deux pires organisateurs, enfin, surtout la Pologne. Ouais, je mets la Pologne et je mets Nasri. Ouais, je mets la génération 87, moi, dedans, là. Ouais, et en top, je mets les supporters irlandais. Ah ouais. Je mets Prandelli. Là, je mets l'Italie, moi, tout ça. Enfin, je mets l'Espagne. Moi, bon, l'Espagne, t'es obligé de les mettre dans les tops, même si on commence à être habitué, c'est toujours. Hein. Ouais, dans les tops, je vais mettre Fabregas, tiens. Parce que ça a quand même été le Joker de luxe, hein. Ah ouais, ok. Mais comme quoi Fabregas est installé en sélection depuis, mine de rien, 8 ans. Et c'est la première compétition. C'est la première compétition où il a explosé, d'après moi. Parce que en 2008 et en 2010. En 2010, il fait la passe D quand même. Oui, mais il avait pas une part très prépondérante. Il était pas aussi influent. Ouais, alors que là. Bah, c'est grâce à la blessure de Villain. Hein. Ouais. Comme quoi tu peux être installé en sélection mais te révéler à tout moment. Ouais. Enfin révéler mais avoir une part vraiment importante. Parce que je pense que 2012 il a plus vécu que 2010 ou 2008. Mais il a eu un plus grand rôle. Un plus grand rôle. La star pour toi de 7 euros. Oh la star. Si je sais qu'on parlait beaucoup avant l'euro des stars, je veux dire des Balotelli, Ronaldo. Et qui comme Star Ibrahimovic et tout, pour toi c'est qui la Prestoro qui a ressorti du lot? Bah Iniesta pour moi qui a été ses meilleurs joueurs de Euro, pour moi ça a été la star, il était attendu, il a pas failli à sa mission. Et la star qui a sombré? Bah Benzema. Ah je pensais que t'allais dire Ibrahimovic, moi vu comme tu l'aimes bien. Ah non, mais j'aurais bien vu l'Ibrahimovic. Benzema qui a été en dessous de ce qu'on attendait.
Ouais. Et donc on parle de Benzema, on va fermer cette page Euro. J'espère que vous avez bien profité de la petite chanson derrière, mais voilà, hop, c'est fini. Fini la chanson. Et on va passer à l'équipe de France de football et à la question du futur sélectionneur qu'on attend après cette démission, enfin on peut pas dire démission, cette non renouvellement exactement de Blanc. Alors qui pour sauver les Bleus? Le favori. Ah, on parle pas de Blanc, la façon. Ah bah si, vas-y. La façon comment il est parti. En grand seigneur. En grand seigneur, oui. En grand seigneur. De la même façon qu'il était parti en grand seigneur de Bordeaux. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, mais ça confirme ce que je pensais. Hein. Dans la difficulté, hein, c'est plus facile de partir. Oh, vas-y, ouais, c'est plus facile de partir. Il y en a qui, dans la difficulté, ils se disent « Moi, je peux être l'homme de la situation. » Il y en a d'autres qui s'en lavent les mains. Bon, il s'est comporté comme Ponce Pilate. Je m'en lave les mains. Il y a encore, là, je lisais l'équipe mag, il y a encore Karim Beu qui avait une chronique dedans qui disait que pour lui, Blanc allait continuer... Surtout, là où je comprends pas, c'est que Blanc, au début, de quand il a sa prise de pouvoir, dit qu'il est là pour aller jusqu'en 2014. Mais oui, pendant 2 ans, il nous a parlé de construction, il nous a dit oui, 2012, ça servait qu'à... C'est un palier, voilà. Ouais, c'est un palier, bah oui, tout ça pour partir. Mais une des raisons principales où toutes les radios, tous les médias parlent, c'est le staff de Blanc qui serait trop gros. Et bah tu sais quoi si c'est ça, bah je pense Laurent Blanc me décevra fortement. Surtout que j'ai entendu ce que Le Graët a demandé à Blanc, c'est de le réduire de, je vais dire une connerie, de 25 à 17 ou une connerie comme ça. Ça fait une économie de 2 millions d'euros à la Fédé. Hein. Ah mais oui, mais je suis d'accord avec Le Graët, Blanc ne peut pas rester éternellement avec son armée mexicaine. non mais à un moment tu peux 25, t'as l'adjoint, mais à un moment il en perd même au niveau du pouvoir décisionnel. Parce que quand t'as un staff très élevé... Mais moi, je te dis, si c'est à cause de ça, et ou si c'est à cause du salaire, moi, je te dis... C'est une des raisons principales. Non, mais franchement, ça veut dire qu'il me déçoit. Il me déçoit parce que... En ce moment, on critique les joueurs. Fait, oui, ils chantent pas la Marseillaise, ils ont pas l'amour du maillot, ouais, patati et patata. Mais le gars, t'es en équipe de France. Dans l'équipe de France, ça veut dire que tu t'inscris sur la durée. Et tu pars parce que... Surtout qu'il le dit. Hein ? Surtout qu'il le dit. Oui, et tu pars parce que on traduit 2 ou 3 membres du staff. Et c'est... On va où ? Il a pas voulu être contrarié. Ouais, il a pas aimé contrarié. Non, mais ça va au-delà de ça. Parce que moi, je dis, l'équipe de France, il a pas globalement avancé. Et bah, au niveau de quoi il a globalement avancé ? Bah on a eu un meilleur jeu quand même que 2010. Ouais, t'es plus offensif. T'as trouvé un attaquant, même si là, on l'a vu qu'il était pas là, l'attaquant. Mais t'as trouvé un Benzema, t'as un Ribéry qui est revenu à un niveau convenable. Voilà, ouais, il parlait de Pépin. Oui, le Pépin, il a un peu grossi. Hein. Il a un peu grossi, t'as 2-3 têtes. Voilà. Non, mais moi, c'est franchement, moi, je trouve ça dommage que le sélectionneur, il parte comme ça. Et il part par la petite porte. Ah bah là, c'est clairement la petite porte, là. Et il part par la petite porte parce que il voulait s'investir dans la durée. Au dernier moment, si c'est je peux pas croire que c'est à cause de la réduction du staff ou du salaire. Parce que moi je peux pas croire parce que partir à cause de raisons financières non sportives, c'est un peu enfin t'es sélectionné financière France, mais non mais tu te rends compte, mais c'est l'équipe de France. Bah oui. Mais c'est l'équipe de France. Surtout pour un mec qui a porté le maillot de l'équipe de France. Oui, oui, parce que c'est ce que je te disais, on parle de l'amour du maillot pour les joueurs, mais et le sélectionneur, s'il part pour ça. À l'image de l'équipe. Ouais, c'est à l'image de l'équipe parce que ça commence par là, ça commence à partir du sélectionneur. C'est très décevant pour moi. Parce que là, pour moi, 2 ans, c'est parti en fumée. Et à chaque fois, il va falloir reconstruire. Bah, en fumée, je suis pas sûr. Tu vas partir sur ces bases-là, quand même. Mais quelle base ? Une partie de l'effectif. Ouais, une partie de l'effectif. Comme en 2010, on était parti sur une partie d'effectif de Naïsna.
À chaque fois. Ouais. Et puis il faut parler du bilan de Blanc. C'est pour moi, c'est si on devait mettre une annotation, ça serait 5,5 sur 10. Sur depuis sa prise de pouvoir ? Bah oui, depuis sa prise de fonction. Ouais, je sais pas comment on peut noter parce que tu notes sur 23 matchs à 25 matchs amicaux, enfin amicaux. Il y a les qualifs entre-temps mais puis après, il y a le sportif où il a réussi son objectif. Hein. Ouais, quart de finale. Bah oui, non, mais je dis pas que je suis d'accord, mais c'est l'objectif qui lui était donné. Mais... Ouais, c'est l'objectif qui était donné. Bah pourquoi il est pas resté alors ? Bah, le staff. non, mais moi je peux pas croire que c'est à cause de ça. Et c'est pas possible. C'est pour l'instant, enfin, sur ce que j'ai lu, entendu, c'est la raison principale. Non, mais. Et après, ils vont dire. Après, parce que je trouve les médias, certains médias complaisants avec Laurent Blanc. Hein. Moi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi, je trouve les médias. Certains médias, pardon. C'est la génération 98. Oui, parce que ça les arrange bien de pas tailler l'ami Laurent Blanc. Parce que ce qu'il a fait. Parce que si c'est Domenech qui part comme ça, oui. Ah bah on le charcute. Hein. Voilà, c'est la mitraillette assurée pour lui. Alors que lui, il part, oui. T'as le célèbre chroniqueur de Canal+ qui a dit oui, qui a préféré charger le Gret plutôt que. Ouais, mais ça c'est la solidarité. Ouais, c'est la solidarité. Il y a un moment, faut arrêter avec cette solidarité. Bah, elle va parce continuer. Que... Hein, si c'est Deschamps qui prend le flambeau, ça va. Ouais, continuer. Mais moi Deschamps, je pense que lui dans la difficulté, il restera. Après, je m'avance certainement. Mais Deschamps, je pense. Vas-y, continue. Parce que moi, je pense que Deschamps, il a prouvé dans la difficulté qu'il savait travailler. Que ça soit à Marseille et à Monaco ou et puis il a déjà géré des problèmes avec Ben Arfa, enfin le problème Ben Arfa ou des mecs le contrarier. Il a déjà eu ce genre de comportement face à lui. Oui, et après ça s'est mal fini puisque oui. Ben Arfa il a eu gain de cause. Hein. Oui. Parce que lui, Deschamps, faut pas oublier, il a travaillé dans la difficulté à Monaco quoi. La première saison il fait 15e, il est au bord du limogeage. À la Juve, il la reprend en deuxième division. Il l'a fait monter. Lui, il s'est travaillé dans la difficulté. En plus, il a tout le temps réussi. Enfin, sur le court terme, on va dire, avec ses clubs. Parce que sur le long terme, bon, c'est normal à un moment que ça baisse. Il a plus d'expérience aussi que Blanc dans les points positifs de Deschamps. C'est vrai. Mais après, Le Guen, est-ce que tu penses vraiment que c'est... Non, Le Guen, je pense pas que ça va se faire. Parce que Le Guen, il est engagé avec le Sultan d'Oman. Il a un pont d'or. Ah bah là où c'est les vacances. Ouais, hein. Voilà, il a un pont d'or. Voilà, il a son staff. Donc je vois pas. Et en plus, il bénéficie d'une mauvaise presse en France. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il irait faire. Bah, il a quand même gagné pas mal de trophées avec Lyon. Hein. À cette époque, Lyon, ça tournait tout seul. Hein. Oui. Lyon, je peux te dire, t'avais eu Juninho, tout ça, ça tournait tout seul. Bon, même s'il était là. Et voilà, donc je vois pas pourquoi il partirait en équipe de France. Je sais pas. Ouais. Non mais parce que regarde, t'as d'un côté, ils sont. Pour la gloire, non. Non, j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats du Sultan d'Oman. Il a réussi à les hisser au deuxième tour des qualifs pour la Coupe du Monde, ce qui est un exploit en soi. Il travaille tranquillement puisque la pression de résultat humain ne s'existe pas. T'es tranquille. Voilà. Hein. Il a son staff avec lui. Alors que tu vois en équipe de France, t'as la presse qui est pas très complaisante avec toi. T'as la presse au moindre mouvement qui te flingue. Clairement. Ouais, t'as la presse qui est pas très complaisante avec toi. T'as certains joueurs qui ont pas la mentalité appropriée pour l'équipe de France. Oui, mais ça peut se régler ça. Et t'as le président de la fédération qui est prêt à supprimer le dessert à la cantine de la FFF pour avoir une économie c'est stable. C'est quoi ce truc ? Non mais c'est pour dire parce que le Gret s'est lancé dans une politique où il faut faire des économies partout. Donc qui dit économie partout, ça veut dire que le Gwen n'arrivera pas avec son staff. Avec son staff en entier. Puisque ça a un coût. Ça dépend combien il a de mecs dans son staff. Ah oui mais s'il arrive avec son staff en entier, il faut les rémunérer. Mais oui, mais s'il a un staff de. Si son staff il fait. Non, mais, faut pas rêver, t'auras des gens de la fédération qui sont dans le staff. Ah bah oui. Parce que le prochain sélectionneur, je peux te garantir, il aura. Bah, il va être cerné. Hein.
il aura pieds et poings liés. Parce que Blanc, moi je te dis, s'il était resté, il aurait été plus fragilisé. Bah, il aurait eu une chaîne autour du cou, avec le Gret au bout. Donc voilà, est-ce que dans l'intérêt de Paul Le Guen, il est bon d'aller en équipe de France? Bah non, clairement non. Enfin, ouais. Sur le point de vue financier, si on réagit par rapport à ça, non. Et puis, faut pas rêver, s'il est parti au Sultanat d'Oman, c'est pour un intérêt financier. Je pense pas que le sportif ait pris... Il est tranquille au Sultanat d'Oman. Qu'est-ce qu'il va faire en équipe de France? Même si l'équipe de France, c'est le Graal. Ça va au-delà des Barcelone, des Real de Madrid. C'est le Graal. Et je pense que parfois, Laurent Blanc l'a oublié. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Prandelli. On va faire une comparaison. Prandelli, t'as pas vu la façon comment il s'est impliqué dans l'équipe d'Italie? Ah bah si. Il s'est impliqué. À chaque fois, il y avait un suivi avec les clubs. Il allait toujours aux nouvelles en ce qui concerne Cassano, Balotelli. Ouais. À chaque fois, il allait aux nouvelles. Alors que Blanc... Il s'en fout. Enfin, après, peut-être qu'en interne, il y a eu des coups de fil. Ouais. Parce que... Non, mais tu te souviens pas au sortir du match Lyon-PSG? Quand il a interrogé en conférence de presse, on lui demande s'il a vu le match, il fait non, j'ai pas Orange. non mais ça te fait rire, mais tu te rends compte du cynisme? Non mais tu te rends compte du cynisme? Non mais c'est pas possible de dire ça. Non mais après je sais pas s'il a dit en ces termes, mais je crois qu'il a dit ça globalement. Je sais pas. Non mais tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'équipe de France, c'est pas parce que t'avais Arnaud Ramsey qui disait dans la face cachée de Laurent Blanc le livre qui est sorti. J'ai eu aucun écho là-dessus. Il disait, oui, l'équipe de France, c'est pas seulement les entraîner deux fois par mois et faire du golf et voir les matchs des joueurs sur son iPad. Il y a un boulot derrière. Hein. Il y a un boulot derrière parce que moi, de la même manière, bon, toute proportion gardée qu'un président élu doit changer le cours de l'histoire d'un pays, un sélectionneur lui aussi change le cours de l'histoire de la politique d'une équipe, d'un pays. Parce que derrière, au-delà de l'équipe de France, t'as le football de masse, t'as le football amateur, tu suscites des vocations, j'ai des petits, tout ça. Donc derrière, t'as une grosse mission. Et tu peux pas te cantonner à rester chez toi, à regarder les matchs. Faut que tu t'investisses, t'as un suivi avec les clubs. Et force est de constater qu'il n'a pas eu le suivi, à part à un ou deux noms près, avec Benzema ou Ribéry. Les cannes. Mais globalement, il n'y a pas eu de suivi. Au contraire d'un Prandelli, lui, qui était impliqué et tout, qui, avec son code éthique, il a martelé à ses joueurs. Et après, il n'y a pas de secret. Ah oui, il y a le code éthique, j'avais oublié ça, oui. Ouais, il n'y a pas de secret. Après, les joueurs, quand ils se sentent investis, ils sentent que tu as un sélectionneur qui est derrière eux, ils s'arrachent, ils se défoncent pour le sélectionneur. Encore l'Italie, je viens de te dire, c'est peut-être pas le bon exemple vraiment, parce que je pense qu'ils se battaient aussi pour le pays entier qui avait avec la crise, et ensuite t'as le tremblement de terre juste avant l'euro. Oui, c'est vrai. Mais... T'avais une cause, je mets ça entre guillemets, après on sait pas si c'est vraiment pour ça. Mais... Non, mais aussi tu te rends compte, un Cassano, il était à l'hôpital il y a quelques mois. Ah bah oui. Et voilà, il s'est investi pour prendre des lits. Il s'est investi, c'est dépouillé. C'est l'amour du maillot, l'envie de jouer. Ouais, mais aussi, quand le sélectionneur il te donne envie. Parce regarde. Quand t'as un sélectionneur qui te fait pas passer le bon message, t'as peut-être pas forcément envie, t'y vas reculant quoi. Voilà, et on critique Evra. D'accord, mais Evra, est-ce qu'il bénéficie de la confiance de Blanc? Bah non. Bah non, parce que quand Evra est sélectionné il y a un an, c'est parce que, on le sait très bien, c'est parce que Abidal il a ses problèmes de santé. Donc quelque part, il arrive un peu dans, on va pas dire en position de bouche-trou, mais presque. Il arrive comme ça, du coup, il a pas la confiance du sélectionneur. Après, Abidal a à nouveau ses problèmes de santé. Et là, il arrive, t'as Evra. En gros, c'est tes titulaires. C'est comme le gars, t'es là, toi. Je te prends. Il est là, il fait des mauvaises performances. Et derrière, il est sanctionné. Donc voilà. Et même Kosciani, qui s'est très bien débrouillé. Mais à un moment, t'as pas... On sent pas la confiance. Par rapport à un Prandelli, tu vois. T'as les Balotelli, t'as les Diamanti. Mais les gars, ils s'arrachent pour... Ouais. Il s'arrache, il serait prêt à se couper les veines pour prendre des lits, on a l'impression. Alors que tu ressens pas la même chose.
Parce qu'on dit, on disait souvent c'est la faute des joueurs, mais c'est la faute aussi de leur emploi. Il a pas, faut le dire, il a pas réussi à fidéliser les joueurs auprès de lui. Ah, ça s'est vu, en interne. Hein. Ouais, ça s'est vu en interne. C'est la conséquence immédiate. Et il y avait un philosophe qui disait dans France Football le vendredi, il a dit une phrase mais tout con, mais qui est révélatrice pour l'équipe de France. Il a dit quand tu sélectionnes que sur le critère sportif au détriment du critère humain, et ben au bout d'un moment ça se retourne contre toi parce que l'un ne va pas sans l'autre. Bah oui, ça s'est vu encore une fois. Ouais, ça s'est vu encore une fois. Et tu vois, prendre des lits, au contraire, il sélectionne sur le critère humain et sportif. L'un ne va pas sans l'autre. Tu vois, Balotelli, mauvais comportement, t'es pas sélectionné. Il a eu un état d'esprit irréprochable. Parce qu'il faut le dire, on critique souvent Balotelli, moi le premier. Il a eu un état d'esprit irréprochable avec la nationale. Ah oui, il a 7 euros, il a pas fait de conne. Ouais. Il a fait un peu le pitre à l'entraînement. Oui, voilà. Voilà, mais c'est marrant plus qu'autre chose. Pareil pour Cassano, qui est peut-être le plus fou des deux. Mais Cassano, il a eu un comportement irréprochable. Donc voilà. Parce qu'il y a un respect de la sélection, hein, tout bonnement, je pense. Oui, respect de la sélection. T'as un respect du maillot, tu sais ce que ça vaut, quoi. T'as aussi le fait que le sélectionneur, il t'inscrit dans un projet. Ouais. Ce qui n'est pas le cas avec sélectionneur, l'ancien sélectionneur. Et donc, on parlait de Deschamps, on va se faire un zoom sur Deschamps, qui n'est plus l'homme de la situation à l'OM, qui a... Lui, choisit de résilier, c'est ça? Oui, ouais, c'est à l'amiable. À l'amiable, ouais. Fin du contrat de Deschamps à l'OM. Il est libre. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il a été beaucoup... Est-ce que son départ est dû aux critiques des supporters aux... Non. Je pense clairement... C'est Anigo? Non, ils sont arrivés au point de non-retour avec Anigo. Ils peuvent pas travailler ensemble, c'est pas possible. Bah, qui peut travailler avec Anigo? Anigo lui-même qui était coach à l'OM déjà. Bah avec Guéret, il travaillait bien, mais maintenant, Anigo, c'est très dur de travailler avec lui. Maintenant, je comprends la position. Je peux essayer de comprendre la position d'Anigo dans le sens où au départ, ils étaient opposés sur la politique sportive du club à mener. Deschamps, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Lui, il arrive, il a une obligation de résultat et une exigence de résultat. Il se dit, il faut que je gagne tout de suite. Parce que lui, il sait comment est fait le monde du football. Il faut gagner. Bah surtout à Marseille. Hein. Surtout à Marseille. Il faut gagner. Il arrive avec ses joueurs qui sont performants tout de suite. Au détriment de la masse salariale qui augmente. Puisque si tu achètes les joueurs que tu veux, pour Deschamps, c'est des cadors. Enfin, cadors pour championnat de France. Et alors que Anigo, lui, il a une réflexion sur le long terme. Il se dit, les joueurs de... Ouais, parce que lui, il n'est pas là de passage. Anigo, ouais, c'est vraiment incrusté dans le club. Voilà, il est vraiment sur la durée. Et donc, il se dit, il faut des joueurs qu'on fidélise à l'OM sur la durée. Et c'était l'un des points de discorde. Après, je comprends parce que je comprends dans un certain sens Anigo, parce que si demain Deschamps était parti, il avait démissionné, tu fais quoi? Tu te retrouves avec des joueurs à Deschamps qui n'étaient pas dont la motivation première c'était pas d'être sur la durée avec Marseille. Ouais. Alors que les joueurs choisis par Anigo, t'as bon espoir que sur la durée soit là. Et après, tu as eu les critiques d'Anigo, oui, Calimero, tout ça. Et force est de constater, ils ne peuvent plus travailler ensemble. Et tu as aussi la responsabilité de Labrune. Pourquoi? Pour le choix? Non, parce que Labrune, pendant toute la saison, nous a fait, oui, ils peuvent travailler ensemble, oui. Oui, c'est la langue de bois, ça. Oui, la langue de bois, mais force est de constater, il a laissé pourrir la situation. Parce que son indécision, finalement, ça a abouti au départ de Deschamps. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il a voulu croire. C'est une bonne chose pour Marseille après, parce que les performances de Marseille cette année n'étaient pas au rendez-vous, clairement. Oui, mais t'es pas. Mais après, moi, j'ose croire que c'est conjoncturel pour Marseille. Que tu te loupes une saison. Bon, même si j'entends certains Marseillais qui vont mitrailler parce qu'ils disent, ouais, 9e, c'est indigne d'un statut de Marseille. Paris, c'était quoi alors quand Paris a frôlé la relégation il y a quelques années? Oui, j'entends bien. Mais tu te dis, tu fais une saison
très moyenne en Ligue 1. Tu fais quart de finale et quart de finale en Ligue des Champions. Tu gagnes la Coupe de la Ligue, même si c'est une coupe en bois. On le sait. Et tu te dis, l'année prochaine, si t'as pas les liquidités pour, tu dis l'année prochaine avec deux ou trois recrues, Rémi et Ayou qui prennent plus de poids, tu dis la saison elle peut bien tourner. Normalement. Tu peux faire un parcours en Europa League. Bah j'espère. Bah oui. J'espère qu'ils vont la jouer. Bah voilà. Et est-ce que c'est une tare de louper une année de la Ligue des Champions? Tu vois, dans l'histoire, il y a pas beaucoup de clubs qui sont très réguliers sur la Ligue des Champions. À part Lyon en France. Si tu vas dans les clubs européens, t'as Manchester United qui est là depuis plus Arsenal longtemps. Arsenal qui est là. C'est voilà, Arsenal, ça s'arrête là. Sinon, t'as eu les Milan. Milan, ils ont déjà loupé la Ligue des Champions une année. Le Bayern a déjà loupé la Ligue des Champions une année. Liverpool, ça fait combien de temps ils sont pas allés en Ligue des Champions? Ouais, bah depuis qu'ils ont été finalistes, je pense. Depuis 2010 plutôt. Bah justement quand ils perdent contre Lyon. Oui. Donc voilà, tu dis est-ce que c'est une tare de louper la Ligue des Champions une année? De toute façon ça vient. Ah oui, voilà. Peut pas tout le temps être au top, si il y a toujours des années de creux. Ouais, même si économiquement ça fait mal aux caisses de l'OM, mais c'est pas une tare. Et Deschamps lui, il était prêt à travailler, était prêt à rester avec l'OM cette saison. Mais il peut plus travailler avec Anigo. Parce que tu vois, dans quel autre grand club tu vois un directeur sportif et un entraîneur qui se prennent la tête comme ça? Dans aucun club. Tu l'as bien vu au Real Madrid l'an dernier. Valdano et Mourinho, ils pouvaient pas se blairer, ça a été réglé fin de saison. Merci, voilà. Au revoir Valdano. Ouais. Voilà. Ça marche comme ça dans les grands clubs. Et Deschamps, il avait déjà connu ce cas similaire à la Juve, avec Alessio Saeco qui était directeur sportif de la Juve, qui était pas d'accord avec Deschamps sur la politique sportive à mener pendant le mercato. Deschamps est parti. Et d'ailleurs, Alessio Saeco a été tellement exceptionnel qu'il s'est fait virer 2 ans plus tard, soit dit en passant, ou 3 ans plutôt. Donc il a tellement été exceptionnel, donc voilà. Mais maintenant, on en arrive à quoi? On en arrive au fait que pour la rentrée, t'as aucun entraîneur à Marseille. C'est incroyable. Oui, mais ils vont en trouver. Elie Bob qui ressort comme nom. Après, il y a toujours Courbis qui est dans les noms. De toute façon, dès que t'as un club qui est sans coach. Non, mais tu te rends compte, on parle de Marseille. On parle du plus grand club de France. Le plus grand club de France, t'arrives, t'as pas d'entraîneur pour la rentrée, ouais, ça fait tâche. Pour la reprise, ça fait tâche. Ouais. Ça fait tâche. Et là, ils partent en stage la mercredi en Suisse. Avec Anigo. Avec Anigo, le patron, tu vas voir, c'est Anigo qui a fini entraîneur. Ils partent sans entraîneur, non, et tu te rends compte, c'est l'absurde. C'est absurde. Tout ça parce qu'il y a une indécision au niveau de la présidence. Ouais. Mais après, il est vraiment pervers, la brune, si Deschamps part et qu'il met Anigo à sa place. Ah bah, il aura fait son choix, ça veut dire. C'est vraiment malsain. Ouais. À suivre cette histoire à l'OM, on verra peut-être vendredi, je sais pas si ça sera réglé ou pas. Ouais. Je pense pas. Parce que faut le trouver, l'entraîneur qui a envie d'aller à Marseille. Bah, Anigo, hein. Enfin, ouais, tu parles de Marseille, là. De Marseille, faut un certain statut pour aller à Marseille. Là, tu me parles d'Anigo. Anigo n'a pas de statut avant d'y aller en tant que coach. Hein. Ouais, mais lui, c'était à titre ponctuel. Là, tu me parles d'un kidam. Garrett, ça n'avait rien fait non plus avant d'aller à l'OM, clairement. Ah bon? Je pense qu'il a été. Il a fait des choses avec le PSV Eindhoven. Oui. Non, mais PSV Eindhoven avant, c'était. Enfin, t'avais que ça aux Pays-Bas, merci. C'est l'époque où t'avais rien à l'Ajax. L'Ajax fin des années 90, ah ouais, bon. Tu suis pas le football néerlandais, con. Non, je le suis pas. Ah bah, moi, je peux dire, pour le suivre, moi, je peux dire, l'Ajax c'était encore quelque chose. Il se faisait pas encore dépouiller comme avant. Comme aujourd'hui, pardon. Ouais. T'as Guéret, il a eu des résultats en Allemagne aussi. Il a eu des résultats à Galatasaray. Sûrement. Ouais, mais donc voilà, il avait un pédigré.
Et puis Beau, Eddie Bob, c'est aussi. Bah, Bordeaux, hein. Oui, Bordeaux, ouais. Ouais, on va lui accorder ça. On va passer le fait qu'il était 16e avec Toulouse. On va passer le fait qu'il a été relégué avec Nantes. On va passer ça. On va passer ça, t'as raison. Ah, bon, voilà. J'oublie Bob, tant pis, c'est pas grave. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause avant de continuer sur le tennis, le vélo et l'athlétisme. D'accord. Oui, t'es d'accord ? Okay. Bah, très bien, alors on fait la pause, c'est parti. De cliquer. Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. On est reparti ici
après cette petite pause musicale. Avec un programme chargé, on a 40 minutes pour faire 3 sujets. Donc on commence tout de suite avec le tennis. C'est parti pour le tennis. Voilà, le petit jingle tennis avec, on l'a dit, l'élimination de Gasquet il y a une demi-heure à peu près, Elton. Ouais, il y a une demi-heure qui perd en 4-7. Florian Mayer. Et là, il y a encore l'interruption de la à cause de la pluie. Hein. C'est vraiment la semaine. Bah, c'est un temps anglais. Hein. Est-ce que ça va être comme Roland-Garros, une finale retardée, repoussée? J'ai le souvenir, je sais pas si... Si tu te souviens, l'année où il y a eu le match dantesque Nadal-Söderling, ça s'était déroulé sur 3 jours ou 4. Où ? En 2006 à Wimbledon. Oh, ça, je me souviens pas, ça. Oh, c'était un match de dingue. Je t'avoue que Söderling, c'est vraiment pas le joueur que je regarde. Non, c'était en 2007, pardon. Ça s'était déroulé sur 3-4 jours et la finale, elle s'était déroulée dimanche. Mm. Donc, Ah, le dimanche en Angleterre, en plus, c'est sacré. Hein. Ouais. Donc ouais, c'était dimanche il joue pas à Wimbledon. Mm. Enfin un dimanche sur deux il joue pas, pardon. Ouais. Donc oui, je me fais pas de soucis pour l'instant. On avisera vendredi s'il y a encore des quarts de finale. Voilà. Et donc avant ces interruptions, qualification de David Ferrer face à Del Potro en 3-7 sec, hein, 6-3, 6-2, 6-3, impressionnant. Ah ouais, c'est la surprise sans l'aide, puisqu'il est quand même numéro 5 mondial, mais quand même faire... C'est la première fois qu'il atteint ce stade, ouais, à Wimbledon. Quand on sait que les Espagnols ont un peu de mal sur le gazon, mis à part Nadal, on voit... Bah finalement, non. Ouais. On voit que Ferrer sera le meilleur Espagnol. Et attention danger, parce qu'il prend Murray derrière, hein. Murray qui n'est pas encore en demi. Hein. mais c'était bien parti. Non, Murray qui est passé là, mais il prend Ferrer au prochain tour. En quart. Je vois Murray. Ah, la logique voudrait Murray, mais... Ouais. Où est-ce qu'il peut s'arrêter, Ferrer? On sait pas. Hein. Donc, attention. Dans les autres résultats, qu'est-ce qu'on a? Bah, Murray est passé. Gasquet s'est fait sortir. Tsonga avait breaké dans le quatrième. Donc, ça semble très bien parti pour Tsonga. Hein. Il mène 4-2. Kochreiber lui a sorti Baker, donc Tsonga, s'il passe, il rencontrera Kochreiber en quart de finale. Et donc, il y a vraiment moyen pour Tsonga d'aller chercher la demi. Et pourquoi pas la finale, soyons fous. Ah bah, il prendra Murray ou... oui, c'est ça, Murray aussi, Murray ou Ferrer. Ah, Murray, en plus, Tsonga, il adore ce genre d'ambiance. Bah, la pression sur lui, ouais. La pression sera aussi sur Murray, il y aura tout un peu derrière. Non, mais il aime bien, ça le galvanise, ce genre d'ambiance et tout. Mm. C'est un showman. Oui. En Angleterre, je sais pas s'il va faire autant le show. Hein. En Angleterre, c'est un peu plus à l'anglaise, un peu plus respectueux. Ah ouais. Et bah, à ce moment-là, je te conseille de revoir le match Gasquet-Murray en 2008, en 5-7. Bah, je regarderai. Ouais. On aurait dit que tu étais en Argentine. Hein. et chez les femmes aussi, oui, on n'en parle pas des femmes, comme d'habitude. Ouais, hein. La surprise sans lettres, à mon avis. Tu parles de quoi? La défaite de Sharapova. Ah oui, bah oui, moi je t'ai déjà projeté aujourd'hui. Et oui, Sharapova qui a sauté. Face à Leziki, 6-4, 6-3, numéro 1 mondial, déjà out. C'est quand même une surprise, hein, on la voyait bien. Bah, Leziki, elle a déjà fait demi-finale. Oui, mais numéro 15, elle a été... elle a des références sur gazon. Bah, elle a quand même galéré, hein. Pour l'instant, deuxième tour, elle gagne en 3-7, troisième tour, elle gagne en 3-7. Non, demeure pas moins qu'elle est en quart. Et là, oui, elle sort Sharapova en 2-7 sec. Hein. Sharapova, que c'était fait peur aussi, hein. Enfin, peur, entre guillemets, au tour d'avant. Enfin, il y a deux tours, pardon, au deuxième tour, qui a gagné 7-6, 6-7, 6-0. Donc voilà, sinon, chez les autres résultats, Azarenka qui s'est promené face à Ivanovic, chapeau Ivanovic, je sais que tu l'aimes bien. 6-1, 6-0, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait un peu mal. Oui, ça fait un peu mal, oui.
Vinci qui perd en 2-7 face à Pacek. Je sais pas comment le prononcer. Hein. Tamira Pacek. Sûrement. L'Autrichienne. Qui sort Vinci en 2-7, ouais. Et donc qui est en quart elle aussi. Qui est en quart. Confirmé. Qui est en quart, effectivement. Qui joue Azarenka au prochain tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah alors je vais te faire l'écart. On a Lizicki Kerber, donc il y aura une Allemande en demi-finale déjà. Ouais, mais l'Allemagne qui retrouve des couleurs. Hein. Kerber qui colle un 6-1-6-1 Clashter. Hein. Enfin, Clashter c'est une joueuse de tennis à temps partiel. Donc, Oui, mais elle était revenue là. Ouais, revenue. Bah elle sort Djankovic, hein, il me semble. Parce que Djankovic est plus la référence en même temps. Oui, mais bon, elle sort Zvonareva. Sur abandon, certes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde en même temps. On a Radvanska qui joue Kirilenko dans un autre quart. On a Williams qui est en train de jouer face à Kvitova en ce moment. Et Williams Serena, bien sûr, qui mène 5-2 face à Kvitova. Est-ce qu'elle a décidé de jouer ce tournoi? En plus, Wimbledon, pardon, elle aime bien. Elle aime beaucoup. Bah, y a beaucoup de finales Williams-Williams, ouais. Wimbledon. Hein. Et donc, bah, en même temps, ce type de cours lui convient à merveille. Pardon. Ouais, ça se confirme avec ce tournoi, enfin avec ce parcours pour le moment. Et le dernier quart, tu as dit, c'est l'Autrichienne Pacek qui rencontrera Azarenka. Oh bon, bah Azarenka qui... Qui jouera Williams ou Kvitova, attention. Ouais, quand mais qui devrait retrouver sa place de numéro 1 mondial. Je sais pas comment ça se passe. J'ai pas vu qu'est-ce qu'elle doit faire. Ah pour, bah écoute, je vais regarder tout de suite. Mais alors ça, je t'avoue que je ne l'ai pas vu du tout. Bah je ne sais pas, tiens. Je vais chercher. Et donc Wimbledon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? On rappelle, chez les hommes, l'élimination de Nadal, plus tôt, on l'avait dit déjà. Ah oui, chez les hommes, j'ai pas dit ce qui est resté, pardon, on va passer aux hommes. Chez les hommes, il nous reste... Djokovic, meilleur au prochain tour, en quart de finale. Federer, Yuzny, Federer que ça fait peur quand même, hein. Qui avait un problème au dos, mais finalement plus rien. Et ça devient de plus en plus chronique, ces problèmes de dos. Ouais, mais ça passe toujours. Faudrait pas que ça l'handicape, surtout que moi, j'en ai fait mon favori. Ah bah, il jouerait Djokovic en demi, hein, s'il est de passe. Hein. Avec la perspective d'être numéro 1 mondial en cas de victoire finale. On le rappelle, oui, merci de le rappeler, ouais. Derrière, on a Ferrer Murray, on aura peut-être un de son gars Kochreber, on verra. Voilà. Et Maier qui joue contre Djokovic, j'ai dit. Ah ok. Bah, c'est Gasquet devait prendre Djokovic au départ, mais bon, il s'est un petit peu loupé, le Richard. Ah oui. Une fois n'est pas coutume. Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne préparation pour les JO, ça. Peut-être contre Maier, 31e mondial. Surtout vu le parcours qu'il faisait, Gasquet faisait un très beau parcours. Hein. Ouais, mais il aime pas ce genre de joueur, Maier. Parce que je disais une des interviews dans l'équipe, il a fait oui, Maier c'est Santoro le plus puissant. À chaque fois il a des coups vicieux qui cassent le rythme, mais Richard n'aime pas ça. Et à un moment donné, quand t'es tennisman, tu t'adaptes à tout. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire d'autre sur ce tournoi pour le moment. Bah, à part la pluie, il se passe pas grand chose. Hein. Ah non. Non, il y a des beaux matchs. Rossol-Nadal, c'était quelque chose. Oui, mais ça, on en a déjà parlé. Rossol-Nadal, Bento Federer. Rossol qui s'est enflammé, qui a pris une correction derrière. Hein. Ah, mais. Il s'est fait calmer. Ah, tout mais suite. Après, il était en transe contre Nadal et. Quelque part, la pression, elle est retombée lors du troisième tour. Ah bah elle est bien retombée, hein. Il a pris un 6-2, 6-3, 7-6. Ah mais c'était prévisible. Ah bah oui, c'était même sûr. Donc voilà. Et t'as eu Federer Bento qui était pas mal aussi. Un très beau match où Bento. Bon, même si Federer il était pas très bon. Bento a surtout bénéficié des erreurs de Federer. Et Federer qui s'est repris derrière, qui a enchaîné. Hein. Même si Bento était à 2 points du match à un moment, il me semble. Si je dis pas de 2 points du match, 30 à 6-5 pour lui. Mais Bento qui fera pas les jeux en simple. Hein.
Non, double. Non, c'est le double, lui, avec Tsonga, je crois. Ah. Non, Tsonga, non, avec non, Lurie, non. Il est avec Lloris. Qu'est-ce que je raconte avec Lyodra. Avec Lyodra, pardon. Et lui, il est pas avec Gesken. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on parle de Lyodra, mais je cherche. Je sais qu'il devait jouer le double avec Clément contre les frères Brian. Je sais pas s'il a eu lieu, tiens. Là, je pourrais pas te renseigner. Je sais pas. Bon. Voilà, donc tennis, est-ce qu'on a autre chose à dire? Non, quelque chose, t'as envie de parler d'un truc au tennis? On a déjà parlé de Simon. Non. Non, rien du tout. Et ben, on passe directement à l'étape d'après, au sujet d'après avec le vélo. C'est parti pour le Tour de France. Allez, on commence le Tour de France avec l'étape d'aujourd'hui. Première nouvelle, l'abandon d'un compagnon de route de Wiggins, si je ne me trompe pas dans son nom, Sibsov. Elton, est-ce que j'ai bien prononcé? Mais ouais, merci. C'est pas mal. Merci. Là, je pourrais pas t'aider là, sur ce... Après une chute, et c'est terminé pour lui. Et voilà, ça, il reste 37 km, ça commence quand même à chauffer devant. Il y a des lâchés dans le groupe de tête, enfin voilà. En attendant le final qui devrait être animé. Ouais. Donc voilà, donc le vélo, oui, depuis ce début de tour, qu'est-ce qu'on peut signaler? Le retour de Spartacus? Oui et non, parce qu'on l'attendait sur le prologue. Hein. Surtout sur on l'attendait, on l'attendait, mais on parlait surtout du duel déjà Wiggins Evans avant ce prologue. Et Tony Martin aussi. Ouais, mais Tony Martin qui a eu une malchance. Qui a des choses. Qui a crevé. Ce qui est embêtant quand on est coureur cycliste. Oui, surtout quand c'est un prologue de 6 km. Ouais, quoi. Voilà, tu peux pas refaire ton retard. Donc, quand Tiara qui était attendu, qui a fait honneur à son statut et qui, comme il y a 8 ans, a gagné ce prologue. Et à noter la troisième place comme de Chavanel. Hein. Ah, Chavanel qui, pour son anniversaire, a été déchaîné. Et on y a cru. Hein. Parce qu'il y a 42 centièmes de retard sur Wiggins. Hein. On note Wiggins qui fait deuxième. Wiggins qui fait la bonne opération. Il reprend pas beaucoup de secondes. Non, Vincent Prologue, c'est assez serré. Il reprend par exemple une vingtaine de secondes à Schleck. Ouais, mais Schleck, moi je les zappe tout de suite. Hein. Oui, à Vandenbroek. Ouais, il reprend quoi? Il reprend, je crois... Attends, je cherche. Sinon, on a qui? Il y en a déjà qui ont perdu le tour ou pas, selon toi? Non, puisque les écarts, il pouvait y avoir que très peu d'écarts. Si, il y a eu des... Non, la première étape, on rappelle, c'est Sagan qui s'impose. Qui peut être la révélation de ce tour, si ce n'est déjà le cas. 22 ans. Et on aura vendredi spécialiste vélo. Hein. On prévient quand même, ouais. Aussi, oui, pour prévenir. Donc, le tour sera décrypté comme jamais à partir de vendredi. Sinon, je cherche le classement général, je l'ai pas, là. Le classement général, il a pas changé. Quand il l'aura... Voilà, je l'ai. Non, pour les écarts. Ah, on a un Denis Medjov aussi qui s'est placé. Ouais, qui est dans les outsiders. Hein. Il a pris. Wiggins a pris 10 secondes à Evans. Non, en plus. Si. Il 17 a 10... secondes. Non, c'est quand il aura. Exact. Ouais. Bien vu. Ah ouais, faut être réactif. Ouais. Merci. Donc, il a pris 10 secondes. Ça fait du bien au moral, mais bon, c'est pas là où... C'est pas là ça va jouer. Hein. C'est, ouais, surtout sur l'autre contre la montre, je pense. Ouais, c'est sur les contre la montre, sur les étapes haute, moyenne, montagne, et pourquoi pas des aujourd'hui. Ouf. Il n'y aura pas de gros écarts, je pense. Les favoris, non, mais moins d'un cataclysme, les favoris vont se neutraliser. Hein. Oui, mais un jour de moins bien, il est déjà si vite arrivé. Hein. Bah, Tony Martin, là, qui est lâché. Hein. Ah ouais, Lucien Sanchez, pardon. Ouais, Lucien Sanchez, pardon, qui avait une blessure, qui était blessé. Donc, c'était.
Et Tony Martin qui est pas à la fête. Martin qui a un problème au poignet, Martin. Ouais, depuis qu'il traîne son spleen depuis Liège. Peut-être. Il va de malchance en malchance. Il crève samedi, il se blesse le lendemain. Donc, Là, oui, c'est fini pour lui. Ouais. Et aujourd'hui il était très incertain. Oui, par contre, il est là aujourd'hui. Hein. Il est là, enfin, il est lâché. Voilà. Donc. Sinon, côté français, est-ce qu'on peut déjà déduire quelque chose? Non, à part Chavanet qui a été costaud dimanche. Perrault aussi, hein, qui prend que 23 secondes sur Cancellara. Hein. Oui, mais encore une fois, c'est des écarts, c'est des écarts significatifs. Parce que quand tu regardes le dernier, avant au sortir du prologue, le dernier avait 1 minute 2 de retard. Ouais, c'est pas significatif. Oui, mais il a déjà compris des écarts. Enfin, Vandenbroek qui a 28 secondes déjà. Valverde à 35 secondes. Schleck à 38 secondes. Enfin, Cancellara, quand je dis ça, c'est vous enlevez 7 secondes pour Wiggins. Donc, il y a quand même des petits écarts. Quand tu sais que certains mecs sont peut-être pas capables d'attaquer en montagne ou de creuser des gros écarts en montagne. Ou au contraire, ça confirme le fait que, par exemple, un Valverde va devoir animer la course. Voilà, ouais. Un Valverde, un Nibali. Bah, Nibali qui est pas mal. Hein. Bah, Nibali qui a, fini 9e, il a pris 11 secondes. Ouais, voilà. Pour un mec qui est pas spécialiste, il finit dans le même une seconde de retard sur Evans, qui est un spécialiste, entre guillemets. Ouais, enfin, spécialiste, mais le prologue, ça se prêtait pas. Oui, il y a pas. Oui. Ouais, prologue, tu peux. Ça favorisait Wiggins, parce que Wiggins, il est. Il faut se souvenir que c'est un ancien pistard. Et ouais. Donc, qui est spécialiste sur les courses sur distance courte. Et il s'en est souvenu samedi. Ouais. Et donc, on a dit la victoire de Cancellara qui a failli nous faire le doublé quand même. Hein. Ouais, Cancellara, mais qui a été bien utilisé par Peter Sagan. Il a dit à la fin en plus, ouais. Cancellara a été. Bah oui, c'est le sourire. Oui, mais c'est de bonne guerre. Ah oui, bah oui. Parce que Sagan n'était pas dans son intérêt de prendre des relais. Ouais. Parce qu'il savait qu'il était plus fort en sprint que lui. Ouais, et il a bien suivi. Cancellara l'a emmené jusqu'à 500 mètres de l'arrivée. Et voilà. Et après, il a laissé sur place. Et Cancellara et Boissonhagen qui étaient revenus. Qui n'a pas existé Boissonhagen dans le sprint. Hein. Ouais, mais qui avait fait un effort terrible pour revenir. C'est Chavanel qui avait lancé l'assaut. Hein. Ouais. Mais manque de jus. Non, dans les il s'est bloqué dans les pourcentages ouais. Sévères. Ah oui, c'est quand dès que ça a monté, d'un coup, ouais, tu l'as vu ralentir. Monté, et hop, tu rentres dans le groupe, tu saoules pas. Bon, derrière, ça a servi Cancellara qui a contre-attaqué, ouais. Mais bien suivi par Peter Sagan. Sagan qui sera très dangereux aujourd'hui encore. Je pense, oui, c'est un costaud de quand ça grimpe, lui. Si, dans les outsiders qui ont perdu du temps, il y a Chris Froome, coéquipier de Wiggins. Hein. Ouais, mais pour la victoire finale, on parle. Je pense pas qu'il se battra pour la victoire finale. Bah, il peut faire un top 10, mais je persiste. Oui, hein. Oui. Sinon, on a un Coppel aussi qui a perdu du temps. Là, c'est pour notre côté français. Enfin, hier aussi, je crois que c'est... Vauclair qui a pris des secondes aussi. Même si Vauclair, on sait, sera pas comment. Ce sera pas le leader. Exactement, merci. Ah, j'avais dit que Froome avait gagné un tour vendredi. Ouais. Il finit deuxième de la Vuelta. Ouais, mais c'est ce que je te disais en fait. Ouais, deuxième de la Vuelta. Je me suis un peu enflammé. Donc voilà sur le vélo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le vélo Bah, il s'est pas passé grand chose quoi. Bah, non, à part la bataille pour le maillot vert. On peut parler de la victoire de Cavendish. Oui, bah oui, j'ai pas oublié celle-là. La victoire de Cavendish qui tord. Qui fait plaisir et qui fait taire une partie des gens qui pensaient que Cavendish ne pouvait pas gagner sans équipier. C'est qui a roulé dans le final déjà Dans le final, c'est les Omega Pharma. Pour Greppel, voilà, ouais, c'est pour ça. Greppel et qui est pas loin. Hein, c'est, ça oui, joue pas, ça joue à rien. Mais Cavendish qui a été très intelligent, qui a sauté dans la roue... Et qui s'est décalé, ouais. Ouais. Qui a sauté dans la roue des Omega Pharma et qui a été emmené tout compte fait, voilà. Et après, sur sa qualité intrinsèque, il était plus fort. Et pas de français, hein. Non.
sur le sprint. C'est Hino qui termine 12e, premier français. Ils sont un peu décevants. Y a pas, vous savez, il n'y a pas Arnaud Démare sur ce. Non, il est encore jeune, Donc, mais ouais, après, t'as au moins cette étape, l'étape d'hier, nous a permis de voir que Sky était entièrement dévoué à Wiggins. Ouais. Ça, on le sait maintenant. De toute façon, c'était prévu. Hein. Ouais, c'était prévu, mais ça, on le sait vraiment. Ça a été, c'est acté. Cavendish va devoir se débrouiller tout seul pour avoir. Des miettes. Non, bah, en fait, t'es gentil, des miettes. Une victoire sur le Tour de France, c'est pas des miettes. Ah, pour lui, c'est presque une des miettes, ouais. Une victoire, il en a tellement sur le Tour de France. Ouais, il va se battre pour décrocher 2-3 victoires. Après, se posera la question de savoir s'il va continuer ou pas. Ah, c'est notre chroniqueur vélo qui nous avait dit qu'il ne continuerait pas. J'entends bien, oui, mais il a dit qu'il évaluera la situation à la mi-course. C'est ouais. QFD. Ouais, on va voir ça. On va voir ça dans les jours à suivre. Mais aujourd'hui, moi, je mets un billet sur Boissonnaguen. Pour l'étape ? Ouais, pour l'étape, je mets Boissonnaguen. Moi, je vais prendre une grosse cote. J'aimerais bien voir un Valverde. Tu penses vraiment qu'il... Je vois bien premier nom que j'ai sorti, c'était Gilbert. Mais si Gilbert gagne... Enfin, je vois plus Gilbert emmener Evans, moi, tu vois. Non, mais tu penses vraiment que les leaders vont accepter de laisser partir Valverde ? Ah, il va pas partir, ça va être un sprint. L'arrivée en côte, c'est ça, non ? Ouais, en côte. Oui, non, ça finit en côte, ouais. Donc, je vois bien un Valverde surgir ou un Gilbert. Boissonnaguen ou Sagan ? Peter Sagan. Des puissants, quoi. Des grosses cuisses. Donc, on va voir ça. Il reste 33 km. Et bah voilà, côté vélo, c'est tout. Sur le tour, on garde tout pour vendredi. Ah ouais, oui. D'accord. Donc on va passer au dernier sport concerné aujourd'hui, c'est l'athlétisme. On va commencer avec la révolution dans l'athlétisme ces derniers jours. L'éclair foudroyé. Un bolt averti en vous deux. Ah bah là oui, il s'est fait dépasser par l'élève. Enfin non, enfin. Si, c'est toujours, Bolt est toujours le maître, pour moi, Blake est l'élève. Donc on va prendre dans l'ordre croissant. Enfin, dans l'ordre... oui, on va commencer par le 100 mètres, c'est ça que je voulais dire. Et la victoire de Blake au 100 mètres, oui. Bah, t'as Bolt qui prend un très mauvais départ. Ouais, c'est peut-être dû à ça, surtout. Ouais, c'est peut-être dû à ça qu'il l'a payé, puisque Blake a bien bondi et il a dirigé la course de moins de mètres. Mais c'est sur le 200 mètres que ça m'a plus interpellé. Pourquoi ça ? Parce que sur le 200 mètres, t'as Bolt qui est à la mi-course. Et en tête, on se dit il va lâcher tout le monde, il va produire son effort. Et ben non, là, il a calé. Et après, t'as Blake qui est revenu inlassablement. Et t'as Bolt qui affiche un rictus à 5-10 mètres de la ligne. Pour dire qu'il souffrait. Ouais. Alors que t'as Blake qui est tranquille. Ouais, qui était tranquille. Donc autant le 100 mètres, je me dis, oui, c'est une défaite pour Bolt, mais on se dit, oui, il va remettre les pendules à l'heure au 200 mètres. Là, au 200 mètres, je me dis, mais attention pour les JO, attention. Parce que là, il est en train de relâcher, la tension. Après, il a beau dire oui, qu'il va travailler très dur pour les JO. Moi, je me dis, faut se méfier de Blake. Blake, il est allé au-delà des 75 au 100 mètres. Ouais. C'est allé très très vite par opposition au championnat d'Europe à Helsinki. Ah ouais. 9,75, c'est la meilleure perf de l'année, non ? Ah, pas loin, je crois. Pi, je pense. Hein. Ça va pas être loin, oui. Donc. Bah donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que Bolt peut réussir le doublé au JO? Ah oui. Bah là, y a un mec qui te montre que c'est peut-être pour lui le doublé. Hein. Ah ouais, mais autant sur 200 mètres, va y avoir match à mon avis. Autant sur 100 mètres, je dis Bolt va revenir. Mais là, c'est clairement, c'est un avertissement sans frais pour Bolt.
Parce que là, sur les... Je pense que la transition championnat du monde Berlin, championnat du monde, c'était où, Daegu, ouais. Jeux olympiques, je pense pour l'instant, n'est pas très bien gérée. Hein. Elle n'est pas très bien gérée. Pourquoi? parce que ça se ressent sur le mode d'entraînement. Bon, ça, c'est ce qui faisait la force de Bolt, à savoir avoir des entraînements bien espacés dans le temps où il donnait pas sa pleine mesure, mais je pense que dans une année olympique, faut mettre le bleu de chauffe. Bon, même s'il le met, le bleu de chauffe, mais très régulièrement. Il le met moins qu'avant, ouais. Mais après, n'oublions pas, c'est ce qui a fait sa force. Parce qu'il est devenu champion olympique comme ça, il est devenu champion du monde comme ça. Donc, mais ça, ce qui était sa force peut être un défaut. Enfin, je m'avance sûrement, mais... C'est une idée à creuser. Alors, ce que je viens de voir, j'ai pas vu ça sur la sélection américaine. 100 mètres femmes, Alison Felix et Jenny Batarmo ont fini ex aequo. Oui, oui. C'est hallucinant, ça. Oui, d'ailleurs, il va falloir que la Fed américaine, on propose de refaire une course. Oui, enfin, Jenny Batarmo a déclaré forfait pour ça. Donc, elle offre la place à Alison Felix. Sûrement qu'il y a eu des pressions. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Elles devaient être départagées à un duel. T'imagines faire un 100 mètres à deux en duel, la pression que t'as. Ouais, mais après, c'est une histoire de sponsor, t'avais Nike et tout qui... Ah non, mais c'est hallucinant, comment ils arrivent dans le même millième. Je viens de voir ça, mais j'ai... Donc elle a déclaré forfait, donc si t'attends... Elle renonce, ouais. Ouais, sûrement que Nike a dû peser de tout son poids. Bah, je vais... Parce qu'un 100 mètres sur Alison Felix, ça fait tâche. Oui. Et il n'y avait pas de procédure en cas d'égalité. Ils avaient pensé à faire un tirage au sort au début. T'imagines, t'as ta place au JO grâce à un tirage au sort? Ouais. Mais après, dans l'histoire du sport, c'est pas nouveau. Hein. Par exemple, en 68, t'as l'Italie qui doit sa place grâce à un tirage au sort, ouais, en finale. Ouais, mais après, si t'étais sévère. Bon. Grand seigneur, t'as l'autre américaine qui déclare forfait. Ouais. Bon. C'est notre Tour de France, on continue dans les nouvelles qui sortent. Une nouvelle chute dans le peloton, Simone Garand serait touchée. Peut-être pas Jean des Sky. Hein. Peut-être la journée où Wiggins va... Ah oh, non, arrête avec ton serpent de mer. Je te vois venir, c'est bon. Bon, il se baissera pas. J'attends la nouvelle alors, j'attends. Donc oui, pour revenir sur Bolt. D'ailleurs, j'ai vu que sur le tour, t'avais un coureur, Daniel Oss. J'aurais aimé qu'il lui donne des 217. Oh là 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 là. Ouais, allez. Ceux qui n'ont pas compris, OSS 117, voilà. C'est une catastrophe. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Je sais pas si on va se remettre de celle-là. Oh là là. Ça m'énerve. Non, tu m'énerves. On fatigue. Non, à noter, j'ai vu ça aussi, que Nibali... Aldosar 51 et Dossar 51 sur le tour, c'est Merckx, Thévenet. Ah, il y a plusieurs mecs comme ça. Ah, faut que je ressorte la liste. Ah, donc tu le vois vainqueur. C'est un journaliste de l'équipe qui a sorti ça. Dossar 51 pour Nibali, le Dossar 51. Ouais, après, les journalistes de l'équipe, ils t'ont dit que l'Espagne n'avait jamais battu la France en compétition officielle. Bah, ils avaient pas tort. Hein. Ouais, ils avaient pas tort. Mais sauf que c'est tarte à la crème, faut s'en méfier. Donc bah oui, je vais pas te suivre là-dessus. Non, mais c'est comme moi, si je te dis, je te tape tout le temps en tennis. Si je m'appuie sur... C'est qui n'est pas le cas, hein, je vais pas préciser, bien sûr. Si, ça veut dire. Si je m'appuie sur cette certitude, ça veut dire que tu me battras jamais au tennis. Je pense pas. Bon, si tu veux. Bon, pour vous prévenir, il a un coup de roi mauvais. Hein. Mais allez, mettez-toi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, au 100 mètres, pour revenir aux choses sérieuses, la troisième place, c'est pour Powell. Hein. On n'en a pas parlé de Powell, qui est également un candidat pour le podium au jeu. Hein. Ça va être dur pour l'ami Christophe. Hein. Sur 100 mètres, oui, ça va être très très dur. Sans compter ta sélection américaine. T'as Gatlin et Gay, sélection américaine. Et Dix n'est pas là, par contre. Peut-être une petite chance même pour... Même là, ça te fait 5 sur 8, déjà. Déjà, la finale... Et t'as Vico qui peut lui prendre une place aussi, ouais. Hein. Tu pars du principe qu'en demi-finale, il peut tomber sur une série où... T'as Gatlin, Bolt et Blake. Voilà. Tu peux avoir que des monstres. C'est fini. Tu
vas avoir que des monstres et les 4 premiers qui passent, ils passent 5ème, RC Rouen. Là, ça va scorer sur les 10 secondes, hein, je pense clairement. Là, il y aura du spectacle, hein, ça va être très bon. Bah, c'est des JO. Voilà, c'est des JO. Oui, exactement. Et donc sur 200, oui, Arnaud Lemaître a-t-il une plus grosse chance sur 200? Moi, je pense. Ouais, c'est pour ça. Blake, c'est pour... Blake et Bolt, là, bon, clairement, je pense que ça veut jouer entre ces deux-là. Ouais, t'as les Américains aussi, Tyson Gay. Tyson Gay, j'y crois pas, moi, sur 200. Parce qu'après, t'as, t'as toujours le truc de gérer pour le relais derrière, toi. T'as... Gérer. Bah oui! Pour les forfaits, pour prendre la médaille, enfin pour essayer d'assurer, pour pas. J'ai mis reprend. Pour ne pas prendre de risques pour les blessures. Oh bah là, c'est les JO. Si tu te blesses, au JO. Bah si tu te blesses dans le 200, si tu te blesses dans le 200, mais toi, ce qui est bien avec toi, c'est que tu envisages toujours. Il faut toujours envisager. Il faut toujours envisager. Et oui, et si Bolt attrape la malaria. Exactement. Voilà. Ah mais vas-y, envisage le pire tout le temps. Il faut. Mais si on parle sérieusement, Gay, il a une chance de médaille au 200. Mais Gay, le problème, je vais revenir dessus, c'est les blessures depuis ces dernières années. J'espère qu'il va pas se blesser avant les JO, qu'on le voit. Déjà, j'espère qu'il va être au jeu à 100%. Parce que ça fait longtemps qu'il a pas une saison pleine. Hein. Ça doit bien faire 2-3 saisons. Bah ouais. Donc, on va voir ça. Et donc, on va parler de Lemaître. Donc, réellement, Lemaître sur 200. Bah, Lemaître, la question se pose pas puisqu'il courra pas. Les 200 ? Ouais, t'avais pas dit ça la semaine dernière ? Non, je parlais du courrait pas au championnat d'Europe. Ah ! Il a pas couru le 200 au championnat d'Europe. Parce que je ne comprends toujours pas, parce que vu la concurrence qu'il y avait au championnat d'Europe, tu m'excuseras, mais quand je vois que pour passer en demi-finale, tu dois faire 20-80. Ça joue à 20-80 pour une demi-finale, pour passer en demi. Ah, mais moi j'étais resté sur les JO, c'est pour ça. Ah non, j'étais sur les championnats d'Europe. Donc sur les JO, ils veulent faire. Bah, ils partent sur le 100-200. Après, je pense que s'il y a une. Je suis pas spécialiste, mais s'il y a une course à privilégier, je pense que c'est le 200 pour lui. Hein. Ah, moi je conseille. Hein. C'est clairement où il y a plus de chance. 100 mètres, la finale, ça va être dur. Hein. Rien que la finale championnat d'Europe, ça a été dur. Hein. Parce qu'il se loupe sur le départ. Et surtout, on en parlait quand t'étais pas là, mais la course, elle se passe à 5. Ah oui, la course du 100 mètres au championnat d'Europe. Oui, mais quand t'as le Lituanien qui prend pas de 3, t'as 3 départs, le mec il saute pas sur les 3, faut arrêter. Là, ça peut être très navrant pour Vico, parce que le premier départ où on se demande pourquoi le starter les rappelle, parce que le mec il démarre pas, bah c'est tant pis pour lui, hein, surtout qu'il démarre pas derrière. Vico après un excellent départ. Non. Ah ouais, ils ont fait le doublé. Ils ont fait le doublé, ouais, mais un chrono décevant. Ah, mais un chrono décevant rendu possible par le fait qu'il y a eu ces interruptions. Dans la tête. Dans la tête, tu te dis, je vais d'abord assurer mon départ. Ouais. Le chrono. S'il est bon, en finale, l'important, c'est pas le chrono. Ah ouais, voilà. Mais bon. Et ce que je voulais dire, c'est. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, on verra s'il confirme ou pas. Avant les jeux, vendredi au meeting à Areva, où les deux seront là. Avec Gatlin et Gay aussi. Hein. Il y aura des gros duels. Bolt qui sera pas là. Bolt n'était pas là à cause des sélections jamaïcaines. Il sera pas là. Et surtout parce qu'ils allongent pas, c'est au niveau des organisateurs. Salaire. Oui, mais surtout que je pense qu'il a été frustré l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière du 200 mètres où problème de starter. Il avait plus en plus, c'était un problème de starter où ils avaient mis un quart d'heure avant de démarrer. Le 200. Ouais. Et surtout aussi parce qu'il croque pas assez. Voilà, je pense que c'est la raison principale, malheureusement. Et sur les championnats d'Europe en eux-mêmes, est-ce qu'il y en a qui ressortent des noms, qui ressortent à part la Villeni, qui nous a fait un concours exceptionnel. Bah, un concours exceptionnel, et c'est la première fois parce qu'auparavant, quand il avait été champion d'Europe à Barcelone, il était seul au monde. Parce que t'avais les autres qui avaient rapidement abandonné. Là, c'était Allemagne-France. Hein. Ouais, Allemagne-France. Alors que là, t'as l'Allemand qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Et ça, c'est un bon indicateur parce que auparavant, que ce soit au JO ou au dernier championnat du monde, il n'avait pas su
su faire augmenter son niveau par rapport à l'adversité. Dans le sens où tu avais les autres perchistes qui haussaient leur niveau, mais lui, il n'avait pas la capacité de répondre. Là, il a répondu et il a été poussé dans ses derniers retranchements et il est passé 5m97. Je viens de dire ça. Tyson Gay fait pas le 200 au JO. Ah bah voilà. Voilà Spearman qui gagne. Il y avait ni Gatlin, ni Dix, ni Gay. Ah donc il se concentre sur 200. Faut croire. En tout cas, il y aura un match au relais. Hein. Ah bah enfin, si le problème des Américains, c'est que leur relais, ils le font souvent tomber quoi. Ouais, parce qu'ils ne le travaillent jamais derrière. D'ailleurs, on va parler du relais vite fait du 4x100. Il m'a fait peur moi chez les hommes. Hein. On va dire que c'est surtout à cause du dernier relais quoi. Qui s'est carrément loupé. Mais le pauvre Bourin, il s'appelle, qui est allé en demi-finale du 100 mètres à côté, qui a loupé, qui est parti peut-être un petit peu trop vite. Et derrière, bon, bah, troisième. Et c'est les Allemands qui gagnent. Oui, mais championnat d'Europe, normalement, la France, elle doit gagner. Ah, t'avais les Anglais qui étaient costauds aussi, qui se sont loupés bah, dès le début. Les Anglais, c'est, pour moi, ça peut être l'outsider au JO. Au relais ? Ouais. Bah ouais, parce qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu avec tous les bâtons qui peuvent tomber. Ah, mais faut se souvenir, en 2004, ils sont champions olympiques. Ouais. Après, on va voir Chambers foire les jeux, donc ils auront Chambers au relais. Après, s'ils le mettent en deuxième, ça risque de retomber encore le bâton. Mais notez que les Français n'avaient pas Vico non plus, donc pour finir. Ça joue peut-être. Et les Hollandais, les Néerlandais, pardon, j'y arriverai pas, qui font deux podiums au relais en 4x100 femmes et 4x100 hommes. Hein. Ça a souligné. Voilà, donc c'est ouais. Sinon, chez les autres performances françaises, on a. Maïdine Mekissi. Qui tranquille, hein. Ouais, tranquille. Même s'il a eu peur en dernier arrêt, l'autre qui est tombé, je sais pas si t'as vu. Oui, surtout. L'Espagnol qui s'est ramassé sur le dernier arrêt. Et surtout qui a été élégant au sortir de la course avec la mascotte. je tiens à préciser que dans la mascotte, c'était une fille de 14 ans, comme quoi. Oui, mais je sais pas pourquoi il l'a balancé, je t'avoue que j'ai pas compris. Non, mais moi ça me fait rire, t'avais les athlètes qui donnaient des leçons aux footballeurs. Ah oui, mais là j'ai pas compris. Oui, moi, oui, oui. Je sais pas pourquoi il l'a poussé. Balayez devant votre porte avant. Moi je dis ça. Mais pourquoi il l'a tabassé? Je sais pas pourquoi il l'a poussé, franchement. Je ne sais pas. J'ai pas d'explication. L'adrénaline, hein. Ouais, je sais pas, il est peut-être. Je sais pas si il peut pas être frustré. Ben. Peut-être à cause du chrono. Hein, Et pour la première personne qui veut, il avait pas envie d'être emmerdé. Et l'autre, je saurais trop conseiller à Maïdine Mekissi de maîtriser ses émotions parce que oui. C'est pas la première fois qu'il. Bah avec Bala. Avec Bala. À Monaco. Ouais, avec une mascotte. Ouais, mais j'ai revu les images de l'autre mascotte. L'autre mascotte se met à genoux et. Enfin, voilà, c'est. Enfin, je pense pas que ce soit très violent. Bah, enfin, l'autre mascotte. Elle se met à genoux, peut-être il la pousse gentiment. Enfin, c'est pas comme s'il l'a poussé comme l'autre, là. Ouais. Donc c'est bizarre, oui. Enfin, t'es gentil, une mascotte est pour faire le clown. Bah oui, là, elle a fait le clown, là. Ouais. Et je te montre les images, elle se met à genoux et. Enfin, c'est. Voilà, je peux pas dire. Donc tu veux dire, c'est à relativiser? Non, non, sur celui de Helsinki, j'ai pas d'explication, franchement. Ah. Parce qu'il arrive d'une course, c'est pas comme s'il l'a poussé gentiment, quoi. Ouais, bah ouais. C'est pas comme s'il voulait la serrer dans ses bras, là. C'est bon. Au rugby, on appellerait ça une charge. Une charge illégale. Ouais. Donc, ouais. Donc, sinon, une médaille d'or aussi de Nana Jimou. Sur l'heptathlon, ouais. L'heptathlon qui succède à Yunis Barber au niveau de l'heptathlon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a? Mais pourquoi il peut y avoir des possibilités en heptathlon, hein. Bah oui, enfin il y en a pas une qui ressort du lot, clairement. C'est parce que l'heptathlon, c'est la chasse gardée de l'Europe en général. Bah, t'avais Carolina Kluft. Voilà. T'avais une Anglaise aussi. Voilà. Donc. Je cherche son nom. Eton, je sais plus. J'ai pas l'air de connerie. Ouais, donc voilà, sous-marin qui confirme entre guillemets, parce que 200 mètres, on sait qu'avec les Jamaïcaines et les Américaines, c'est autre chose. Il prend une troisième place sur 200, qui perd sa couronne européenne au passage. Et Garfield Darien qui fait deuxième. Une médaille d'argent. Et qui fait un gros chrono en demi. Hein. Ouais.
Un 13, 12, non, 17 peut-être, je ne sais plus. 13-15 à peu près. Et qui remplace superbement Leji Doko. Oh, je sais pas si t'as vu Leji Doko, le pauvre. Ah ouais. Oh, il avait un pied en finale. Et le talon qui touche là, c'est frustrant quand même. J'espère qu'il ira au jeu quand même. Ça serait une belle récompense parce que là, c'est quand même frustrant. Hein. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il a des problèmes avec les. En 2004. Il fait quatrième en plus. Quand est-ce qu'il fait quatrième? L'an dernier, à Daegu, c'est à Daegu où il fait quatrième. Hein. Ouais, déjà, cause d'un problème de haie. En 2004, il se vautre. Alors qu'en 2004, en plus, c'est la forme de sa vie. Enfin, il était devant, clairement. En 2004, il était favori avec Luxian. Ouais, donc c'est un prof, c'est très frustrant. Sinon, Carvalho, le français au 1500 qui prend l'argent. Très belle seconde place derrière un Norvégien, grosse surprise. Norvégien au 1500, c'est surprenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4x400 femmes qui prend une médaille d'argent. Hein. Très très bon, même si au jeu ça passera pas non plus. Au jeu, c'est plutôt à chasse gardée. Américaine. Hein. Ouais. Mais t'as souvent les Jamaïcaines. Et les Russes qui se sont vautrés ou? Non, elles sont loupées. En 4x400, c'est surprenant. Ah, elles sont loupées. Ah. Elles font. Bah ouais, elles sont même pas dans les 4, oui. Bah je sais pas ce qu'elles ont foutu. Ah bah tiens, je vais devoir 3 rues suspendues pour dopage là. Championne d'Europe du 800 en salle, vice-championne d'Europe du marathon. Et une autre, je sais pas. Bref. Sinon, chez les Français, 4x400 hommes qui s'est loupé. Les relais, c'est Mifing Mirezin, 4x100 femmes qui s'est loupé aussi. Oh, le relais de fond, c'est pas un mystère depuis les années bah, Degen. Chez les hommes, si, chez les hommes. Oh, 4x400, ça a été. Ah oui, pardon, de fond. Autant pour moi. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout hein, pour les médailles. Et une grosse info, abandon de Joaquim Rojas. Oh oui. Ça, c'est dans la perspective non seulement de l'étape, mais aussi de l'animation dans le tour. Ouais. C'est important. Et Balzaretti qui veut rejoindre sa femme. À Paris? Ouais. J'ai lu ça aussi. Ouais, il a dit Paris ou rien. Oui, mine de rien, c'est une bonne solution pour PSG. Hein. Oh, bah, il a fait un bon euro. Ouais, franchement, pour moi, c'est meilleur que Jallet. Hein. Meilleur que Maxwell. Hein. Maxwell, on a trop fait sur lui de toute façon. Parce que le mec venait du Barça, on en a fait un génie. Avant le Barça, il a fait l'Inter, il a fait l'Ajax, excuse-moi. Merci, le mec, sa carrière est derrière lui. Bah, sa carrière est derrière lui. T'en as beaucoup d'arrière gauche au niveau de Maxwell en Ligue 1. Merci, tu compares, à la Ligue 1. Non, mais c'est QFD. Tu compares à la Ligue 1. Dis-moi les arrières gauches des Dionton Gagnard et compagnie. Non, mais t'es marrant, toi. Paris, s'ils veulent Maxwell, c'est pour gagner non seulement championnat de France, mais bien figurer en Ligue des Champions. Tu vas me dire que Maxwell, ça suffit pas en Ligue 1. Ouais. Bah, si, ça suffit puisque c'est meilleur latéral gauche. Enfin, on parlera mercato vendredi. Ouais. Voilà, en plus, on a terminé. L'heure est terminée. Au vélo, il reste 15 km, ça commence à chauffer. Des groupes se sont dispersés avec Vauclair qui n'est pas dans le groupe maillot jaune. Voilà, information. Ah ouais. Parce qu'il y a encore une chute, ouais, il y a eu des petits groupes dispersés. Samuel Sanchez a un problème de dérailleur en plus, mais il a réussi à revenir. Et Vauclair n'est pas dans le maillot jaune, pas dans le groupe maillot jaune, ouais. Donc après, est-ce que ça va revenir, je sais pas. Apparemment, le peloton roule fort, donc je suis pas sûr que ça revienne. Donc voilà. Donc une autre info à sortir ou pas avant de rendre l'antenne, Nelton. Non, pas d'info. Rien du tout. Juste les primes, c'est fini pour les bleus. Hein. Je pense qu'on l'avait pas dit ça. Le Gret. Ouais. Voilà, pas de primes. Qui a adopté une posture présidentielle et a haussé la voix. Convocation par la commission de discipline pour Ben Arfa via Nasri Menez, mais ça c'était déjà prévu. On sera un village, je suis un peu surpris, mais bon. Est-ce qu'il va peut-être prendre un avertissement? Ouais. Je vois pas prendre autre chose, enfin ça serait bizarre. J'ai bien peur que ça soit une tempête dans un verre d'eau, ces histoires de convocation. Parce que qui va prendre? Bah Nasri. Ouais. C'est peut-être sûr. Ouais, Nasri.
Nasri Menez, il va prendre, je pense pas. Menez, il va se faire engueuler en interne, ouais, quoi. Bah, Ancelotti a dit qu'il parlera Menez, en plus. Oui, Leonardo qui l'a recadré. Donc, le pauvre Menez, ses vacances, ça va être sympa. Non, mais ça, c'est ça a souligné, parce que auparavant, au sortir de Nice-Na, t'avais pas entendu de personnes qui recadraient nos mutins. Non. Il se disait oui. C'est en sélection. Ouais, c'est en sélection, ça fout du sélectionneur. Enfin, il le disait pas comme ça. Mais en gros, c'était ce qui s'est passé à Nice reste à Nice. Alors que là, t'as Leonardo et Ancelotti, voilà, qui ont adopté une position ferme. Et ça, c'est bien. Ouais. Et on devrait. Beaucoup de présidents de Ligue 1 devraient prendre exemple sur eux. Bah là, Ben Arfa, il va peut-être prendre aussi, il va peut-être se faire engueuler en interne. Oh, en interne, sachant que Blanc n'est plus là, je sais pas si. À Newcastle, qu'est-ce que tu. Non, mais en interne, avec la commission. Ah oui, bah sûrement. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport en club, parce que. Ah oui, les clubs, oui, mais de toute façon, les clubs, on les voit rarement gueuler. Ils gueulent que quand le mec se blesse en sélection, ouais, sinon ils gueulent jamais mais sur c'est la dommage. Sélection, c'est dommage parce que quand j'entends il y a deux ans Ferguson, Dieu sait qu'on l'adore, et dire que pourtant Evra c'est un bon gars et tout. Oui, c'est pas. On a dit pareil de Nasri, Wenger a dit la même chose. Enfin, ouais, voilà, tu vois, c'est l'esprit boutique. L'esprit boutique, oui. Bon, même si Nasri n'est plus à Arsenal, mais tu vois, l'esprit boutique, c'est. Je pense que c'est trop en ce moment. Donc, si on en parlera plus longuement vendredi. C'est tout pour nous. On a fait le tour de l'actu, on espère que vous avez été comblés par ces deux heures. Vendredi, on aura un gros point vélo, bah, toute la quinzaine. Je ne sais pas appeler ça comme ça. Bah, c'est sur trois semaines. Oh, trois bon, semaines, ouais, pardon. Une semaine sera déjà passée. Voilà, donc la quinzaine. D'accord. Donc j'avais raison. Du vélo, du tennis, du football. Et bah, voilà, plein de bonnes choses. Elton, on se dit à vendredi. À vendredi, salut tout le monde. Salut tout le monde.